qui fait suite à la projection hier du Last Whispers pour la première fois donc dans un contexte de salle sur grand écran et avec un dispositif technologique assez sophistiqué, voilà, en 8.1 de Lena Herzog, que je salue. Cette journée donc, va se dérouler en deux étapes. Une première de 10h jusqu'à 12h30 va être plutôt consacrée au projet lui-même, Last Whispers, et à cette rencontre entre une démarche artistique, une démarche de création artistique et une démarche de connaissance scientifique des langues avec des archives, des protocoles d'exploitation de ces archives. Et en fait, voilà, c'est la rencontre entre Vandana et Lena qui va être au cœur de cette matinée. Et cet après-midi va être un après-midi un peu plus ouverte, où on va essayer de replacer ce contexte, cette création dans le contexte des recherches linguistiques et en élargissant, si c'est possible, donc la focale et en invitant donc d'autres chercheurs en linguistique que je remercie d'être là ce matin, d'ailleurs, pour écouter ce débat, pour participer donc à nous faire part de leurs propres expériences et peut-être aussi un commentaire quand même sur ce qu'ils ont vu, écouté hier soir. Alors Lena Herzog, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter, mais je vais quand même rappeler que vous êtes documentariste et photographe, que votre rapport au monde passe par le regard. Vous avez publié plusieurs ouvrages de photographie sur le pèlerinage de Sacadawa dans l'ouest du Tibet, sur la tauromachie, sur le flamenco. Aussi ce très beau livre sur que vous avez appelé les âmes perdues. Et plus récemment, chez ta chaîne, donc sur ces machines de rêve de Theo Janssen, qui sont des grandes structures en plastique assez improbables, qui sont mises en mouvement par le vent sur des... Enfin, ce sont des créations sur des plages, enfin, ce sont des créations très, très troublantes. Et on y perçoit une âme, presque. Vous avez aussi réalisé de nombreux documentaires et des créations audiovisuelles, et nous reviendrons donc ce matin longuement sur le projet Last Whispers, que nous avons eu la chance de voir et d'écouter hier. Et je dirais simplement ici qu'il représente un engagement de 20 ans de votre démarche de création. Alors, Vandana Sefidipo, vous êtes citoyenne du monde. Vous êtes une linguiste germano-iranienne. Vous travaillez à l'Université de Londres. Vous dirigez depuis 2014 le programme de documentation sur les langues en danger à l'École d'études orientales et africaines, qu'on connaît mieux en France sous la forme de son acronyme anglais SOAS. Vous avez fait vos études à la Freie Université de Berlin et au Max Planck Institut für Psycholinguistique à Nimègue, dans les Pays-Bas. Vos travaux portaient sur les relations entre le geste et la parole lorsque nous parlons et que nous hésitons et que nous faisons de faux départs, des retours en arrière, des répétitions de séquences verbales. Rien d'étonnant donc à ce que vous enseignez aujourd'hui, l'approche visuelle du langage, l'utilisation de la vidéo dans la recherche de terrain sur les langues en danger et aussi sur la psychologie de la prise de parole. Vous allez nous apprendre ce matin, enfin en tout cas à certains d'entre nous, enfin en tout cas à moi, qu'une langue ça se voit. Alors je ne vais pas énumérer la quarantaine d'articles de référence que vous avez publiés dans les revues scientifiques. Je dirais simplement que vous occupez aujourd'hui une place cardinale dans le champ des études qui portent sur les langues en danger et que vous avez joué un rôle important
dans ce projet qui a eu pour effet de produire ce Last Whispers que nous avons entendu hier, mais aussi qui a eu pour effet de vous lier d'une amitié durable avec Lena Herzog. Michel de Fornel, vous êtes sociolinguistique et linguiste, donc vous nous expliquerez la différence. Et vous êtes directeur d'études à l'école d'études en sciences sociales, à l'EHESS, ici à Paris. Vous avez créé, il y a quelques années, avec Francis Zimmermann, ce programme d'anthropologie et linguistique à l'EHESS, et vous dirigez aujourd'hui le laboratoire linguistique, anthropologique et sociolinguistique de l'EHESS. Vous avez en commun avec Mandana Sefedinipour de conduire des programmes de linguistique interactionnelle et d'anthropologie linguistique. Vous avez publié et dirigé à la publication une douzaine d'ouvrages qui portent sur la question de l'intonation et de l'organisation séquentielle de la conversation. Et aussi, et c'est ce qui nous a rapprochés il y a quelques années aussi, sur l'improvisation orale. Vous êtes également l'un de ceux qui a introduit en France avec Louis Quéré l'ethnométhodologie, cette branche de la sociologie qui accorde une place singulière à des situations d'interlocution dans l'analyse sociologique. Et je voudrais aussi remercier Maya Nielsen et James Black qui vont nous accompagner tout au long de cette journée et qui vont permettre à ceux dont la langue est le français de parler en français, et à ceux dont la langue est l'anglais de parler en anglais. Et ils nous ont demandé, cher Michel, que ceux qui doivent employer la langue française gardent la langue française comme outil de communication, et ne changent pas en cours de conversation avec l'anglais, sauf exception, parce que ça crée des brouillages cognitif. Je dis comme ça. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là pour moi. C'est le tour de magie absolu. Voilà, donc, Lena Herzog, Last Whispers que nous avons entendu hier. C'est bien Last Whispers. Pourtant, il y a longtemps que Last Whisper existe. Donc le nom Last Whispers est un nom qui sert à couvrir finalement un projet, un work in progress. Et hier, c'était une occurrence de ce projet, parce qu'il a déjà été présenté à Londres, à New York, mais sous d'autres formes. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent hier ? Well, last night, actually, and my colleagues agree, was by far the best iteration, the best presentation of Last Whispers. It was the most volumetric, and it had height and width in terms of the sound sculpture that we have created of the voices. And that's just in terms of the quality. And in terms of the way that it's been presented, for example, at the premiere at the British Museum, at the Living and Dying Gallery, it was an environmental piece. So when you walked into the Living and Dying Gallery, which is right next to the gallery that has the Rosetta Stone, at the top of the hour, it sounded more as an environment to the objet d'art that was all around. Whereas here, it was really a piece from the beginning to end, and it worked as an oratorio, not as an environmental piece. Est-ce que les images n'étaient pas en trop? No, actually, there were two fairly small screens in the presentation at the British Museum. But it was actually a very different environment. And what we noticed with Mandana, Mandana was there at the premiere. Of course, she was there from the beginning of the project
when we started to work on really culling the library of the voices. The difference with the British Museum was that the 80,000 people that apparently, according to the museum, went through the gallery had to really search for the sound. And we heard and saw people shushing each other. And it was ironic because there we were at the gallery where the British Empire looted objets d'art, and in the middle there stands the sculpture from the Easter Island, the Hoa ancestor figure, and Paul from Alaska, and Indian boats, and all of a sudden these voices from the places where these objets d'art come were animated. They were speaking, so Londoners and tourists were shushing each other to hear them for a change. And that seemed like at least a moment of some kind of justice. Illusory as it is. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette dimension liée à des formes de réparation historique qui vous tient à cœur. Beaucoup dans ce projet, mais je voudrais juste rester sur la question artistique de ce que nous avons vu hier soir. Est-ce qu'on peut imaginer que la forme d'hier est une forme définitive, ou est-ce que le projet va encore évoluer? I created apart from this piece that was last night, also a 7-minute virtual reality. I would like to create two more parts of the virtual reality that would be an oratorio in three parts in VR, in immersive VR. It's a different experience, and I found it's probably for the cause of the raising awareness for the sort of the activist side of my project, it probably has done even more because it reaches a young audience that doesn't know anything about the issue at all. It began at Sundance Film Festival, and thousands of young people went through it. None of them had any idea of the phenomenon of linguistic and cultural extinction. In 7 minutes, they knew it, and they were on our side, on the side of preserving cultural diversity. And that's a lot in 7 minutes. That's a lot to do in 7 minutes. If I may brag, I am bragging right now. So that's to answer the question if it's the final form. This original piece is the final form. There will be two more short pieces for VR to create the 21-minute VR trilogy complete. But you know, on my website, I started to run stories of the last speakers and the linguists. So it became more of an ecosystem. And the more stories we get, the more we will publish that. So there will be that aspect as well. But I find there are certain projects that linger and hold on and don't let go of me. And this is certainly one of them. Alors je dois recommander à chacun de vous brancher sur le site internet, soit celui de l'ENA, soit celui qui est dédié à Last Whispers, parce que c'est vraiment d'une richesse incroyable. Et on voit bien qu'il y a un soin méticuleux à communiquer et à partager. Aussi bien les analyses des linguistes que la démarche artistique de l'ENA. Il y a une question. On centre beaucoup le débat sur la question des langues menacées. Mais hier soir, il y avait quand même beaucoup d'arbres dans le théâtre du Châtelet.
Cette image, j'imagine que c'est fait voilà, par un drone qui filme dans la forêt. Et des images magnifiques, je dois dire. Donc, il y a les langues qu'on écoute. Et puis, il y a ces images que vous avez empruntées à la NASA. De la Terre. Je voudrais savoir quel lien vous faites entre la question, on va dire, culturelle de la disparition ou de la menace qui pèse sur les langues dans le monde et la question politique du changement climatique. So let me list quickly the elements that were in the oratorio. So the sound elements were 40 languages from 27 countries, extinct and endangered. They were interpreted gravitational waves of supernova, the collapsing stars and universes, interpreted by LIGO, the laser interferometer and gravitational membranes that were recently opened by MIT and Caltech. So these are essentially these two giant ears that listen to the outer space and register collapsing stars and planets. Yes. And sounds of wind, sounds of nature, and of course, sounds of silences. Because this work is about silence. So that was in terms of sound. And in terms of the visual elements, so they were one of the main elements, of course, is the element of the forest and the trees. Yeah. I will return to that. The animation comprised the exact outlines of continents, islands, etc., and the location of the languages that you see as stars, as shimmering stars. They are GPS precise within these outlines. However, a real geography is subtracted. And instead, you're not going to be seeing Google Map. What you are seeing is a quilt blanket of catastrophic climate events. These are NASA images of our planet, of floods, hurricanes, and general catastrophic events, which is interesting because visually they look like giant waves. So we have comprised this library of catastrophic climate events and then removed the seams of the quilt blanket. And so what you see is the second layer inside of it, which is like sort of a magical marble. It's visually very pleasing, but it's actually the marble of catastrophes. And it's a key element. You asked me about the political aspect of climate change because, of course, climate change is one of the reasons that people get uprooted and move. Right now, we're seeing it in the Amazonian forests, where the fires that are absolutely catastrophic are uprooting people, and they're moving, getting absorbed. They will be speaking in 20, 30 years Portuguese. So, and I will return to the forest later, because that is actually a very, very important metaphor in many ways. So about the forest. You brought up the forest. The old philosophical epistemic exercise, when a tree falls in the forest and no one hears it, does it make a sound? I took this as an exercise not so much in epistemology, but in empathy. In empathy. Does it matter? Because, and so clearly my answer is a resounding yes. Also, completely apart from that,
forest is somehow in our cultural DNA. When we are in the forest, when we're children, and even when we are adults, when we are lost, particularly there, we almost feel like the forest speaks to us, like it's permeated by voices, by ghosts, especially if you're there at night or in twilight. And somehow culturally, we are, our fairy tales a lot have to do with forest and you know, ghosts, and somehow inhabited by spirits. And of course, another separate from that metaphor is a metaphor for language, which is probably the most important one, the tree of language, the tree of languages. And so one of the original versions for the oratorio was to actually make installation not with a video, but as an oratorio of extinct and endangered languages in an actual forest. And I worked with MIT engineers to rig the trees to turn them into loudspeakers. So every tree was going to be assigned a voice in this chorus. And when you meander through the forest, you actually hear them speaking, singing, chanting to you. And I actually did find it, these engineers, the only problem was no arborist would ever clear us. So it was going to be one of those projects that was never going to happen. And I have at least 54 of them, and I didn't want to have the 55th one. La question que les artistes n'aiment pas se voir poser. D'un point de vue de spectateur et d'auditeur, hier, j'ai entendu de la musique. J'ai entendu des voix parler, présentées comme de la musique. Il y avait le film et les images. Comment tout cela a-t-il été mis ensemble? Est-ce qu'il y a un ordre de consécution? Vous avez pris, je ne sais pas, les voix, puis vous avez cherché des images qui pourraient vous inspirer en relation avec ces voix. Puis solliciter des sound designers pour faire des... Comment ça s'est passé? Sauf si c'est secret. Yeah. No, it's not a secret. I have no secret. This is the best way. I was guided by the voices. The voices was the guide. Which was an extremely difficult switch back, because of course my primary medium is photography and image, and here it was sound. But it was a switch back, because my first ambition was to be a writer. Writing for me was a voice in me, and language in the world, and in me, and the relationship between the two worlds. When I work on photography on my other projects, I work a lot in the darkroom. I venture out into the world, I come back, and I work in a dark room with a tiny red bulb and a lot of time to think and a lot of time to hear. So for years, I was listening randomly before I started to work with Teresa Schwartzman and then later Mandana and Evelyn Villa. I was randomly looking into publicly available archives and listening to the voices. And so I would download them on the on my iTunes player and listen to them while I was in the darkroom. And what struck me was, other than the beauty, they were both familiar and distinct. And I think that one of the most important challenges was to keep that tension, that
even though there's a variousness to our human mind, and of course language is the first creative act, the fundamental creative act. Also, by the way, highly democratic, we all do language. And so there's that common experience, but it's also highly various. And that's also the beauty of that common experience. That, you know, it's both common and various at the same time. And because of our, I think, terrible mistake somewhere in logic, we're used to binary thinking and mutually exclusive. But we are multitudes, and we contain these multitudes that seem mutually exclusive, but they aren't. And so, and the same went for me. So I was guided by the voices, and the way that it later evolved was to combine the voices with image in a poetic way. However, when I look back, because when I was making the project, I felt, oh, this is organic and this is intuitive. This is something that's almost mystical. When I look back at my notes of 20 years back, including my visual notes and the writing, all the elements ended up actually. So it worked like that. Je ne sais pas si je dois le dire ici, mais je voudrais juste vous signaler, Léna, que la Fondation de France, qui est aussi partenaire de Last Whispers, a financé il y a 3 ans une recherche qui a eu lieu dans les Cévennes, dans le sud de la France, qui consistait précisément à enregistrer la montée de sève dans les arbres. Et l'aide de la Fondation de France a consisté à transformer ces enregistrements de la montée de sève, parce que c'est le moment où le plus facilement perceptible, forcément, de transformer ces enregistrements en un concerto de montée de sève qui existe donc quelque part dans une association loi 1901 des Cévennes, avec lesquelles je pourrais vous mettre en contact si vous avez un intérêt de transformer le 55e projet en 54e et demi. Ce qui est une partie du travail, en fait. Mais enfin, si je peux me permettre, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, Léna, vous avez fait une grosse erreur dans ce parcours. C'est d'avoir contacté Mandana. Parce qu'elle vous a plongé dans les archives de SOAS. Et là, ce n'est pas 20 ans que vous allez passer sur le projet, mais c'est votre vie. Mandana, combien faut-il de temps à un artiste pour épuiser les archives de SOAS? Oh, I don't know. I really don't know. I don't know how many hours we have, but it's in the, I don't know, lots of hours of audio and video recording of languages from around the world. Yeah. Peut-être vous pouvez décrire pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui, comme moi, font semblant de connaître, qu'est-ce que c'est SOAS, le département que vous dirigez sur les langues en danger, et en quoi consistent ces archives mythiques? So this is a big question. So yeah. SOAS is basically the twin of INALCO from its history and from the kind of work that is being done. It's a university that has humanities and social sciences that started about 100 years ago as a school to teach the officers of the empire the languages of the places that they were ruling. And over the 100 years, the school turned actually into the opposite. It compensated for its colonial past and turned into exactly the opposite, namely doing research from the perspective of the regions that they're focusing on. Mm-hmm. So this is what SOAS is, and it's a small, powerful, politically highly active university. Our students are very active. And SOAS houses the Endangered Languages Documentation Program and the Endangered Languages Archive. Mm.
So the documentation program is a grant program that provides funding to scholars, students, community members, speakers to document their languages before it is too late. So 17 years ago, you know, our donor, which is Arcadia, Lisbeth and Peter Rousing, Tetra Pak, recognized the problem and gave a big donation to SOAS to do something about the crisis that we are experiencing. Okay. And so in 2002, SOAS started, and so we're doing the program since 17 years. And so we're funding since 70 years at a scale of 1 million to 1.5, 2 million a year, scholars across the world. And the project, the most amazing part of the project, and we are unique in that, is that we do not have any restrictions on host institution or nationality, meaning that anyone in the world can apply. So we fund scholars in the Ivory Coast, as well as, you know, in Brazil, as well as all over the place. So these people, we educate them, we train them, go out, and I train them in video recording to capture multimodality, right? Yeah. Go out and live with the communities, work with the communities, and then bring this materials back into the digital archive at SOAS. Mm. And in principle, we're creating a digital Rosetta Stone. Right? We are trying to preserve linguistic diversity across the world before it is too late, and to create this big archive that will record this so that we have resources for the speakers themselves, for the communities and their descendants. There is material of their stories and their songs. It is for the public to see and hear, and for artists to get inspired and to, you know, engage in the cause, and for scientists and scholars to learn about the history, about linguistic diversity, because the most amazing thing is to think about the fact that language is the one skill that humans have that makes them different from all other species. The fact that we were able to develop in the way we developed and to inhabit all these different spaces, one reason that evolutionary people give us is because we were able to accumulate knowledge and pass it down. And that comes through knowledge and through language. So since 17 years we have this archive, and we have materials on over 500 languages, and it means we just scratched the surface, because there are 7,000 languages in the world today. And given the massive changes induced by modernization, we're observing a massive migratory movement and changes in the way of life, and so these languages are disappearing massively. I think it is very telling that this work is enabled by a private donor, because in principle this should be the responsibility of our governments. Exactly. Right? This should be a national responsibility, because we are facing a crisis. And I think it's really important to understand and to keep in mind that languages do not die. It is speakers that are forced to give them up, right? We are facing a humanitarian crisis, and we're pretending, you know, that this is not a big issue, but it is. The reason that people change their languages, shift from one language to the other, is because of the circumstances of their life, because the city holds the promise of a better life, because the woods are burning and their normal environment is not inhabitable anymore. And I think that is a really key point to understand, that this is not a cultural issue, it's not a folklore issue, it's not an issue about a museum. It is a humanitarian crisis. And a political. And therefore it is political. Vous faites rêver les linguistes français, Mandana, en comparant l'INALCO à SOAS. Mais il y a cet aspect de la valorisation des collections qui est quelque chose d'important, que toutes les archives se posent. J'imagine que les protocoles liés à l'usage des archives est très contraignant et très encadré juridiquement.
Qu'est-ce qui se passe quand un jour une artiste comme Lena Herzog tape à la porte et vous dit « Bonjour, je veux faire une œuvre d'art avec ce que vous avez. » let me first say that you have fantastic linguists in this country, and you have Pangloss, and we work a lot with scholars here at CNRS University that are engaged in this work. Mm. So they don't get money from private people, that is true. But maybe you should talk to your rich people or to your government on those counts. I'm happy to do that. I do it all the time. You can bring them to see Last Whispers. Okay. Of course, there's a big sensitive issue around privacy. So these are people, the speakers, you know, they talk about their lives. They talk about their histories. These are all marginalized people. So I won't talk about minorities, because this is not about minorities. This is about marginalization. Mm. Because there can be lots of people that are marginalized, right? Mm-hmm. So they talk about their lives. They talk about their, you know, political situation. And, you know, so whatever we do is we're treating this with the sensitivity that it has to have. We have a strong belief in, you know, open access in terms of not behind paywalls, right? Mm. So that people don't have to pay to do this. But we're also very careful about the rights and the ownership of traditional knowledge. The instruments that we have to protect traditional knowledge based on IP right or copyright or Creative Commons licenses are not very useful, because they are based on a very global north model. On a very global north model. And so we need to do political work on policy and legal sides of that. Mm. We often have people that knock on our doors. So you can access the archive. You need to register, but registration is free. It's just so you abide by that it's only for educational and non-commercial use. Mm. So that's one of the major rules that we have. Mm. And then, you know, when artists knock on our doors, when an artist gets in touch, I'm incredibly delighted to help and support artistic work and advice on every count, because it's another way of, you know, engaging in the cause and getting the message out. Because what Lena can do in 7 minutes VR for a bunch of 20-year-olds, that takes David and I 5 years and a BA and an MA, right? So there's different ways of engaging with people to inform them about what we are working on, what we're trying, what tide we're trying to stem, and the different ways of communicating is important to us. So when you experience Last Whispers and you hear the Ingrian song, right? Right. It's a very different world than when I give you a talk and tell you the history about Ingrian, the relationship to other languages. Mm. Or the history of this person. And of course, we work carefully with artists. So, you know, Lena touches hearts. We try to argue with sensibility and cause and touch brains. Mm. So the more we can get, the better. Now, working with artists, we are very careful, because sometimes journalists are even more tricky. The artists are usually fine. They have sometimes very strange ideas, right? So they, you know, I get a request from a journalist saying, can you put me in touch with the last speaker? I'm like, oh yeah, sure, just call into the Amazon and talk to the last speaker of the language. And you think, that's a really great idea. Or I have a film producer who said, oh, can you put me in touch with a tribe that speaks a really interesting language, so we can spend some time there and then discover a good, interesting phenomenon. Like, sure. How long do you have? And they're like, oh, we can go for 10 days. I'm like, oh, excellent. What do you say, right? The ethics behind it of, I just go and I make a film and, you know, I go with the film team and then we descend upon these people
and then we film and go away and never come back and have everything going through festivals. And it's, there's a very strange kind of perception. And so, of course, we protect, not by pushing them away, but by educating, but saying, by asking the question, how would you want to do this? Do you think this is appropriate? And so when we started, when Lena and I started working together, it was, we developed our discourse and our discussion on such an amazing ground, and it was a political discussion we had, right? Where we just joined our views and our despair about the things that are happening, and and that's how this started developing. Alors, nous allons voir tout de suite comment vous avez travaillé ensemble, mais je voudrais faire un petit décrochage auparavant et mettre Michel de Fornel dans la boucle. Excuse-moi, on n'a pas le temps de questions. Oui. Parce que moi, j'avais déjà des questions. Oui, promis. Je dois changer de sujet, c'est la question. Non, je ne change pas de sujet. Enfin, alors. Je change de sujet, mais... Donc Michel de Fornel a joué les ethnologues dans ce dispositif, c'est-à-dire qu'il a été associé depuis plusieurs mois voilà, à nos réunions. Il a participé à préparer la journée d'aujourd'hui et a invité nos amis cet après-midi. Et il est assez bouleversé parce qu'il a vu et entendu hier soir. Bouleversé au sens émotionnel d'un côté, mais aussi bouleversé au sens de l'articulation, enfin de ce qu'une création comme celle qu'on a vue hier vient bousculer dans les interrogations qui sont celles que se pose habituellement le linguiste ou le sociolinguiste. Et voilà, je pense que c'est peut-être un moment où on peut lui demander comment il a vécu en tant que linguiste, cette présentation du travail, ce travail, à la fois la préparation et puis voilà ce que nous avons et nos discours respectifs. Pour rentrer dans quelques minutes dans la boucle, je voudrais juste indiquer d'abord en quoi la proposition artistique de Lena Herzog m'a touché profondément. Je crois que la première des choses, c'est qu'elle nous rappelle qu'un monde sonore est toujours un monde vécu. Et qu'au fond, on a là des sons que l'on entend, mais ces sons, évidemment, sont détachés de leurs locuteurs, des locuteurs qui les ont produits, mais en même temps, ces sons nous rappellent qu'il y a une voix, et qu'il y a une voix, la voix d'un locuteur dans une communauté, et qu'au fond, cette voix, c'est celle-là qui ne doit pas être perdue. Et donc ça nous invite à peut-être à prendre conscience, ou du moins réagir au fait que la langue est souvent vue avant tout comme instrument de communication, dans sa fonction informationnelle, dans sa fonction cognitive, et après tout, quand on est dans cette logique, changer, passer d'une langue à l'autre, abandonner une langue, au fond ce n'est pas si important, puisqu'il y a d'autres instruments à disposition. On peut tous, dans 50 ans, on parlera tous anglais, enfin peut-être plus nous, 100 ans, on ne parlera plus, tout le monde parlera, la planète parlera anglais, sans doute, mais si on a une perspective purement informationnelle, cognitive, instrumentale, après tout, ce n'est pas si grave, il y a un processus de sélection naturelle, et donc, après tout, ce n'est pas très grave. Donc, je trouve que la proposition artistique de Lena nous rappelle que non, une langue, c'est pas ça. Une langue, ça a une dimension, c'est une dimension sonore articulée à un sens et qui est pour les personnes un milieu, et pour les personnes et pour des communautés, un lieu d'expérience. C'est par la langue et au moyen de la langue que se manifeste, existe tout un ensemble de pratiques culturelles et de pratiques sociales. Donc moi, j'ai été touché par cette proposition-là, en ce sens-là, je pense que c'est important, et je pense que c'est important évidemment pour un public. Le deuxième chose qui m'a paru importante aussi, c'est la fonction d'interpellation. Je crois que ceux qui étaient là ont dû ou devraient, en tout cas,
cas moi je l'ai été, et bien sûr, interpellé au fond, que fait-on aujourd'hui pour les langues en danger? Et je pense que là, il y a deux points que je voudrais évoquer très, très rapidement. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. L'un, la fonction, et il y a une ambiguïté dans la fonction de quand on parle de la patrimonialisation, sauvegarder les langues en danger. Je pense qu'il y a une fonction de stocker, un devoir de mémoire, si on veut, mais qui est, on l'a bien vu, parce qu'on pouvait être triste hier soir, associé à un travail de deuil, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de langues disparues, et il nous reste quoi? Souvent une page, quelques mots, une quarantaine de mots, souvent, pour les langues qui m'intéressent. On a 40 mots qui restent, qui ont été recueillis au XVIIe siècle, et cette langue a disparu. On a aujourd'hui beaucoup d'angles. Par exemple, lesquelles? Beaucoup de langues iroquoises, par exemple. C'est qui t'intéresse. Chinoises, voilà, si on prend les langues amérindiennes, beaucoup de langues ont disparu, et on a... Si on s'intéresse à ces langues, à ces familles de langues, on veut comprendre la diversité de ces langues, au fond, on s'appuie sur quoi? Sur quelques enregistrements qui nous restent, sur des traces écrites. Je pense que c'est important, ce devoir de mémoire est important, c'est-à-dire qu'au fond, Last Whisper nous indique bien que ces langues qui ne clignotent plus, elles ne clignotent plus, et bientôt, chaque semaine, il y a une langue qui disparaît, et plus les langues qui disparaissent. Donc, ça nous rappelle que nous avons un devoir de mémoire et que ce devoir de mémoire est important, qu'il est important aussi pour la connaissance, pour la connaissance humaine, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à étudier donc, ces langues, à s'y intéresser, à s'intéresser aux locuteurs qui les ont produites, donc aux récits par exemple qui ont été faits par ces locuteurs, et ces locuteurs ne sont plus là, ces langues ont disparu. Je pense que c'est important. Et c'est la fonction de l'archivage, c'est une fonction très importante, et ça c'est une fonction de patrimonialisation sans aucun problème. C'est important aussi parce que ça peut être relié aux locuteurs qui restent et qui peuvent trouver là une ressource. On vient de le dire, c'est pour eux une ressource pour avoir des récits qu'ils n'ont peut-être plus, etc. Donc c'est une ressource qui peut être mise au service des communautés, et ça c'est le deuxième aspect de la patrimonialisation qui est important, et c'est pas seulement donc le devoir de mémoire, mais c'est un devoir d'aide aux communautés. Mais je pense qu'il y a, ça c'est le premier volet, mais il y a un deuxième volet que je crois qui est tout à fait important, c'est que fait-on pour les langues qui, la plupart des langues que l'on a vues hier, qui clignotent, c'est-à-dire elles sont en danger, que va-t-on faire? Et là je crois que ça c'est quelque chose qui concerne profondément les linguistes sur leur terrain. Je pense qu'il faut avoir là une autre démarche. Ce n'est plus l'archive. Il faut intervenir politiquement, culturellement. Il faut partir de situations concrètes. Il faut partir des communautés. Et de ce point de vue, je ne pense pas, et c'est le dernier point que je vais faire, parce que sinon je pourrais parler très longtemps, je pense qu'il faut se méfier d'une perspective écolinguistique, de connecter les langues à la nature. Je pense que c'est important pour l'aspect émotionnel, émotif, parce qu'une partie de notre vocabulaire, de notre langage est liée à la nature et il y a des résonances profondes. Mais avant tout, le langage, c'est une affaire de locuteurs, c'est une affaire de communauté. Ce sont des conflits, des luttes de domination pour imposer une langue contre une autre. C'est typiquement la question des médias, comment des langues minoritaires, des langues en danger peuvent avoir des médias, des radios pour continuer à exister à l'heure de la mondialisation. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces langues qui sont souvent maintenant des langues diasporiques. On parle le maya à San Francisco et après tout, Donald Trump ferait bien de s'occuper des mayas pour que la langue maya reste aussi, se maintienne pour ses locuteurs qui sont en France, à San Francisco. Donc il s'agit bien d'aider les communautés, mais il s'agit d'aider les communautés dans ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire souvent des communautés diasporiques. Donc je plaiderais, je dirais, pour qu'un point de vue écolinguistique, on ajoute un point de vue vraiment anthropologique et sociolinguistique. Il y a des usages sociaux, et ces usages sociaux, il faut partir de là si on veut aider actuellement les langues qui clignotent. Hein. Celles qui ne clignotent plus, on a un devoir de mémoire, celles qui clignotent, je crois qu'il est important qu'il y ait des propositions artistiques, mais je pense qu'il est important qu'il y ait une mobilisation, on peut dire humanitaire, mais je dirais plus, politique. Il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation politique. Et là, les linguistes peuvent apporter, les sociolinguistes,
plus particulièrement souvent, parce qu'ils sont peut-être plus sensibles à cette dimension-là des langues, peuvent être présents pour ne serait-ce que se battre aujourd'hui pour la charte des langues qui n'est souvent des langues minoritaires, qui n'est souvent pas signée, contre le maintien dans les écoles d'un monolinguisme d'État qui fait que à Paris et dans la région parisienne, beaucoup de langues sont parlées par des locuteurs, on a une diaspora très importante, des centaines de langues sont parlées. Dès que l'enfant rentre dans la cour de la récréation et qu'il est assis à la salle de classe, il n'entend plus que le français. Voilà, il y a là de vrais problèmes politiques, et je pense que ça, c'est quelque chose que la fonction d'interpellation du film de Léna, je pense, nous aide à prendre conscience et peut voilà, véhiculer ce message. Merci, Michel. J'ai peut-être été un peu rapide pour le Alors, on revient quand même à SOAS. Léna, pourquoi avez-vous l'idée d'aller dans les archives alors que tout est accessible en ligne? Well, the absolutely, and that's how I began to listen to it, before I actually started to speak to Mandana and to over a dozen other archives. I made a first recording of my own, of Matagi, one of the indigenous languages in Japan, Matagi, and it was one of the last three speakers of Matagi language. Mm-hmm. So I took a portrait and I recorded him. And until 2003, the idea of the project was to have portraits of the speakers, hide the recordings behind them, and when you walk into the gallery, you will have the portrait gallery of last speakers speaking, talking, chanting, singing to each other and to the person who walks through this portrait gallery. Artistically, I let go of the idea of representation of the last speakers because I immediately felt that there is a disconnection. Mm. Because that's where you really feel the difference between people. And I wanted that wall away. Mm. I wanted us to feel as if we are speaking, or at least that we are permeated by the human chorus, mm-hmm. without that wall of distinction, mm-hmm. That's visual. Mm-hmm. Because, of course, the elemental primary element was voice. Of course. So then I had to not use this. Mm-hmm. I had no process. I had no relationship. I did not want to parachute in and out. This person, this man, was very open. He wanted to be heard. He wanted to be listened to. But I did not have what Mandana and the archivists have, the knowledge of each case. That's the point. Because each case was different. And of course, I'm a photographer. I parachute in and out all the time. Mm. And I do documentation. However, this was much more fundamental and intrinsic human experience that was so much more profound than just a picture of a person. And so, I think about these matters all the time. Mm-hmm. I'm not interested in cheap posturing. I'm not interested in political correctness. I'm not interested in the social justice warriors. Mm. However, I want to be genuinely responsible. Mm. And I really want to own this responsibility. Now, I could not own the responsibility with the language and this cultural heritage that has to only take time and develop while during the work with communities. Linguists that work with Mandana
frequently live for years and years in these communities. They not only have the permissions, they have, you know, profound friendships and relationships with these people. And being linguists, they know the definitions of permissions, how to actually acquire that it matters. And, you know, in this regard, I actually trust linguists more than anthropologists. I hope anthropologists forgive me. No problem. So let me just quickly enumerate the steps that I could own of responsibility. So I worked with the archives to get the permissions. These are contractual written permissions to do that. We reached to communities and the last speakers to see if they would be all right, even if we had the permission of the copyright holders, meaning the archives, and if the speakers had doubts or we were not sure if they were sure, we did not use it. Then I formed a 501c3, a California corporation, which is a non-profit. And in certain cases, for example, in case of United States of America, which is a country essentially based on genocide of native population, I at some point really had a feeling that I will not use any language at all until we came across Mr. Titus, Alan Titus, the son of one of the last speakers of Koyokon, endangered language speakers. Koyokon is still being spoken, but it is an endangered language. But I had known the son of Henry Titus, Alan, who really believed in the project, in the raising of awareness. So I knew the provenance exactly. There was no doubt about that. And so in certain cases, like with Ingrian, Mandana and I discussed it, where the woman who was born in 1920 loved having the linguists visit her. Just loved it. She loved to sing for them. She loved to talk to them. She's not around to ask, but I know from Mandana that we can extrapolate that that would have been all right. For example, to give you one last example of how we went about it, but actually I have a whole list of how we addressed this issue. I'm not going to bore you with that, but to give you an example how we worked, and the example of a process, we had permissions of all the languages that were written permissions and the contracts with archives and copyright holders. But then at some point, during the summer of 2016, we started to have doubts. Even though the work was already scored. Now, the recordings themselves are not changed. The sound engineering is changed. Sometimes we repeat a chant using the music sort of gesture of ostinato, but we don't change the recording. However, all recordings are organized, the score, the musical score is an organization based on the voices. And it's really a proper score. 4 times we had to scratch the whole thing in the summer of 2016, start from scratch and rescore because we had 4 times a doubt that maybe the speakers were not sure. And part of the reason was that they themselves had trouble admitting, accepting that their language is dying. Or that they're not speaking the language. And they said, no, we're not last whispers. We still speak. We speak loudly, we're not whispering. And I respected that. We respected that. Actually, after the work was done, we have now a flood of requests. You didn't use our language. Yeah. Which is great. That's a compliment. Yeah. Je voudrais ouvrir avec vous, justement, je pense qu'on est à ce point-là, la question de l'extractivisme culturel. Je crois qu'on vient à ces questions.
pour le dire d'une manière moins violente, l'appropriation culturelle. Et puis ensuite, j'aimerais peut-être que vous réagissiez à l'engagement délibérément politique posé par Michel de Fornel tout à l'heure dans son intervention. Et avant de donner la parole à la salle. Et je voudrais, je ne sais pas bien comment introduire cette question-là de l'extractivisme culturel, mais je voudrais vous soumettre un cas qui est lié à la langue Segnam, qui est la langue qui était parlée dans la région de Ushuaia, dans l'extrême sud de la Patagonie. Il se trouve qu'avec mes étudiants, mes doctorants, nous avons créé un festival à Bayonne, musique et sciences sociales. Et cette année, il y a des personnes qui sont venues de cette région, de Ushuaia. Et Ariana a été une des personnes clés de ce dispositif. Parmi ces personnes, il y avait Marta Salamanca, qui est déléguée Segnam auprès du Conseil argentin des populations minoritaires, autochtones. Et elle nous fait part de sa douleur que sa langue ait disparu. Et elle nous parle de Lola Kiepska, qui a été enregistrée donc, dans les années 70 par Anne Chapman, donc, qui est une ethnologue américaine qui travaillait au CNRS, ici, au laboratoire d'anthropologie sociale de Claude Lévi-Strauss, au Collège de France. Et c'est l'enregistrement que vous avez utilisé dans Last Whispers, dans une version diffusée par le Smithsonian. Je voudrais vraiment vous poser cette question sans malice, parce que vous avez dit que vous vous méfiez des anthropologues et que vous méfiez moins des linguistes, et je crois que vous avez raison. Linguist more than anthropologist. Because they deal with definitions. Ouais. Enfin, ouais. Parce qu'ils ne s'occupent pas de la même chose. Oui. Ah. D'accord. Donc, Anne Chapman enregistre Lola Kiepska. Et Akaka parle, et Anne Chapman sait qu'il y a des rituels secrets qui sont destinés à être performés dans des situations très spécifiques. Et Lola ne veut rien dire. Mais, I know where you're going. Mais, I know where you're going. Mais Anne Chapman continue. Yeah, yeah, yeah. Et dans ces situations d'interaction idéale, l'alcool peut jouer un rôle parfois. Et Anne Chapman fait boire Lola, et Lola s'est mise à parler, et à un moment, Lola récite les chants qu'elle n'avait pas le droit de dire. Anne Chapman les enregistre, et ils se trouvent aujourd'hui dans les archives du CNRS. Yes. Et aujourd'hui, donc, on est tous déçus, on trouve que éthiquement, c'est insupportable. On est d'accord. Correctly so. Correct. Yes. Sauf que, aujourd'hui, la langue Segnam a disparu. Et Marta Salamanca, qu'on a rencontrée il y a quelques semaines, qui est la petite fille de Lola, me dit aujourd'hui, on est en train de travailler sur tous les enregistrements de ma grand-mère pour essayer de récupérer la langue. Donc, yes. Une démarche qui est éthiquement condamnable à un instant T peut s'avérer salutaire à un temps T plus, 30 ans, et permet de devenir un outil de reconstruction d'une langue, peut-être, ça c'est une autre question. La question est, comment faire entrer, alors là je m'adresse à toutes les deux, comment faire entrer les conditions d'enregistrement ou de recueil de séquences linguistiques
à la fois dans une institution, puisque le CNRS n'a eu aucun problème parce qu'il ne savait pas qu'Anne Chapman avait fait comme ça, dans une, et puis aussi dans une démarche artistique ensuite. Cet aspect manipulatoire, on va le dire, pour le dire clairement. Well, Madonna first, then I'll answer. So I think this is a beautiful example. This is, thank you for giving us that platform to say, well, that's what we're dealing with all the time. Exactly. And I think that is exactly one reason why Lena developed her methodology in collaboration with the speakers, with the descendants of the speakers. With when the I could, let's be clear. Yeah. Sometimes I couldn't. And also, I did not interfere into relationships of the current work between linguistic speakers. So like with a home or with what Jonathan Amos is doing, because they were currently working. I wasn't going to, again, parachute in and out. I was relying on their advice. Yeah. And I also knew the circumstances in which, sorry. Exactly. And for example, they were... You can see we're passionate. You just opened that door for us. Me too. We worked so hard on, which was so key to the project. A lot of hard work on that. So we had a 2 terabyte library that had various gradations, color-coded. Actually, we ran out of colors because we had so many variants of how we were coding the degree of certainty, the where the source was, and what are the circumstances. There were several cases where, for example, we worked with, I think, Susan Kuhn on that, where we would have, let's say, 12 minutes recording, but she would say that the part after 3 minutes 20 seconds was a part that they consider secret ritual. And then I would use up to 3 minutes 20 seconds. Because a lot of what builds, and you know, easy would be to let go of that, but a lot of the times what builds up to that is highly emotional. The secrets are secret for reasons that they are so passionate. And that's, of course, aesthetically is hard to let go. So I was trying to make sure that I respect their desire while I, do this. And on that, I couldn't really ask them. I had to ask the linguist who for years would, delicately tune and know exactly where is what. And again, because they are dealing with definitions. And in terms of the cultural extraction and appropriation, I have to say for years I've been reading Edward Said, and not just Orientalism, but also what Edward Said later speaks of about that. And I'd like to be very precise about the one quote, and we will probably do it sentence by sentence, so that I will address what you have suggested, because it is important. So if you go on YouTube and type in Edward Said last interview, at 1 hour and 13 minutes, you will find the following thing Edward Said said. Others used Orientalism as an excuse for nativism. Only Orientals should write about themselves, which I say explicitly is not what I believe in. The insider-outsider argument. And then there is the whole question, and perhaps the most damaging, a serious misreading, which still goes on, is to suggest that I identify Orientalism with imperialism. In other words, if you study another, you are automatically an imperialist and a racist, which I don't say that at all. I don't say that you necessarily have to be of it to write about it. In fact, I say the opposite. In fact, the real open question is, how do you speak
of the other. So, and to hammer it in a little more, if I can, I'd like to actually quote here Hannah Arendt on idiocy. The idiot is the one who lives only in his own household and is concerned only with his own life and its own necessities. So there were twofold critiques that I anticipated and I could see going towards work like this or works like that. They seem opposite, but they aren't. One is, so the languages die. Darwin, you know, it's the Darwin world, so, you know. It's actually very straightforward, and I like that, that it's so straightforward. The other one that's much more damaging is that you cannot do it because you have no right. And, of course, you have to take responsibility, which I addressed earlier. And I took it in ways that made my life extremely difficult. And it was on purpose. So, you think that these are two opposite critiques. In fact, they are the same silencing. They're just two sides, two coins of the same silencing. And so if you say you cannot do that, that this cannot be sounded, that this cannot be addressed by anyone other than you being of it, silence continues. Tick-tock, a week has gone, another language died. Tick-tock, another week has gone, another language died. And nobody knows about it. Because there's so only so many people that will go to a TED lecture and hear Mandana speak. And this is making me angry. Maybe I can contribute to this from our side also. What we at SOAS and within the archive have developed exactly because of these histories, exactly because our knowledge how this was extracted and how speakers, people were manipulated by our own colleagues, right, in the different disciplines. That's why we have developed a very sensitive access protocol of who can access what information in the archive. There are materials that are not available for accessing. They're only available upon request. So you have to write an email. You have to say who you are. You have to say why you want to use this material and how you're going to be using it. So we have developed, so we train also our students in exactly understanding what this means. And one of the things that I always tell them is a secret is a secret is a secret. Think carefully if you record it, right? And if it's anything that endanger the speaker, the community, or yourself, do not record it. Because we're working in very sensitive situations with people being actively oppressed by governments and by other groups. And so the moment it's digital, you can't protect it anymore. But the most important thing that also Lena just said is marginalization also works through keeping things invisible. So if you are not visible, things can happen to you, things can be done to you. If you think about the Brazilian situation right now with the logging that is happening, is here there was a long history of, you know, people don't want to make materials available, and I think that's also the quorum we have with anthropology. That the materials that they've been using is nowhere to be found, is nowhere archived, is nowhere preserved and protected. And think about the crisis in Brazil. I was just there. I started my talk to the academic community with a picture of the burning museum. Right? Yeah. Yeah. The National Museum burned down, and none of the materials that was in there had a digital copy anywhere else. Horrible. Basically, their heritage in terms of indigenous knowledge is gone. Is gone, which serves certain people very well. Just fine, like the ones that. But you have copies of. No. Sorry. And that's the paradox. That is the paradox of what you just addressed, because some secrets endanger the last speakers. Yeah, but keeping them secret
endangers them even more, because it makes them invisible. And you can do anything to the invisible. You know, great writer, Indian writer Arundhati Roy said, there are no such thing as silent. There are only those that are deliberately silenced or the preferably unheard. And I think one other dimension that is key to keep in mind is that access and secrecy is dynamic, right? So this is not something that is absolute. It is something that at this time, this is how it was supposed to be, but now it's changing. The American Philosophical Society, another archive in the US, holds massive amounts of recordings from the owners of the land, actually. But given the situation, the access situation and the genocide situation, families of the people whose recording are in there cannot access their own recordings because of the weird legal situation they have there. So they can't get to the materials of their great-grandfathers, which are the last recordings. So the situation is quite bizarre, and we're working carefully and sensitively to try to manage this in the most appropriate way. But I also want to just make the point, we are not only talking, so let me just say, marginalization, we're not only talking about these poor people far away, you in your own country, let me just mention that. Yes, yes. Have languages. Yeah. In the Basque country. In the Basque country. We don't have to go to the Basque country. Yeah, no. J'ai pas joué le Basque. We can go also, if we go to the UK, right? We have the same situation. And so no one has an issue about aboutness, and this is another dimension. So we don't have to go that far. We need to look at this. And that was one of the long conversations Lena and I had. I mean, we had like hours of political discussion, you know, talking about things. We're having a global take on things and not as differentiated according to the situation. And this is also one of the reasons that this work has been changing and evolving as we went along and encountered the different things. And it was our opportunity to work with Lena to show her, this is this story, here's the situations like this. This is that story, that is different. Yeah. Here we have genocide, right? Mm-hmm. Here we have speakers who love to share their stories, who want to be seen, and finally someone makes them seen. Yes, and that's why, although I did all the proper steps in terms of acquiring permissions from copyright holders in terms of contract work, and I worked with Georgiana Nikias, who is the lawyer trained in the cultural heritage law, that was just a start. The real work on the ethics of the making of the project came really with the close work with the archivists and linguists who knew each case. And also, and that's for what I need. The context of genocide, I knew, of course, all the time. For example, the book by Howard Zinn, The People's History of the United States, for me, the only problem with it is the title, because this is, to me, the history of the United States. And so, and in terms of the history of the law, if we talk about how such matters were used and how people were manipulated, let's remember the case described by the Bartolomé de las Casas, 15th century friar who was called the defender of the rights of the Indians, when the court of Isabel and Fernandez decided that, well, we shall take your land and have all the resources in it, but we'll have a contract. And so Bartolomé de las Casas talks about the in his short account of the destruction of the Indies, how this happens. So the representatives of the Spanish court come in front of the tribes, and they recite this, you know, highly complex, flourishing in, you know, Castellano legal verbiage contract that essentially is telling them an ultimatum, you know, we take it all, otherwise we'll murder you, but this is a contract that is now on.
So, Bartolomé de las Casas describes how unfair that was, and he writes to the Spanish court that the Indians, the native tribes, should not be serfs, and instead advises that human beings from Africa must be kidnapped and used as slaves. The good man Bartolomé. Michel de Fornel, je me tourne vers vous avant d'ouvrir le débat. Tout à l'heure, vous avez déplacé le débat en disant que la question de la disparition des langues est moins la question de la disparition d'une langue que du sort réservé à ses locuteurs. Puis, vous nous avez guidé vers une dimension finalement politique du métier de sociolinguiste. Assez clairement, la démarche de Last Whispers est une démarche politique, c'est une démarche engagée, c'est une démarche politique. On vient tous buter sur le politique. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Je ne vais pas avoir les réponses, mais je pense que le geste artistique peut participer d'une démarche politique. Je ne suis pas pour dire qu'il faut essentiellement avoir une démarche politique, mais je pense qu'il y a toujours une contrepartie politique au type dans l'activité du linguiste ou dans l'activité du sociolinguiste. Je pense qu'un des problèmes essentiels aujourd'hui pour les langues en danger, le cœur, en fait, c'est la question de la transmission intergénérationnelle. Est-ce qu'on a les moyens, les communautés, les sociétés ont les moyens que la transmission intergénérationnelle se passe, hein, que ce soit entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants. Ça, c'est le cœur, c'est là qu'il faut intervenir. On peut faire la comparaison avec les plantes, avec la nature, on peut avoir une optique darwinienne en matière de langue, mais ce qui caractérise la vie des langues, une langue reste vivante parce qu'elle est parlée et elle se transmet. Et elle se transmet au travers des générations. C'est ça le mécanisme fondamental. Si ce mécanisme-là est touché, dans ce cas-là, évidemment, la langue disparaît. Donc les langues ne disparaissent pas comme ça. Elles disparaissent parce qu'il y a des mécanismes sociaux très divers, très différents selon ces sociétés, qui contribuent à ce que cette transmission n'ait pas lieu. Donc je pense que c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut avoir une réflexion. Voilà. May I make a quick point? When I was saying that I like the critique of Darwinian, it's not that I like the critique. No, no. I disagree. No. Categorically. Yeah. Yeah. I like the fact that it's so straightforward. Yeah. I don't like this, you know, beating around the bush and doing this kind of manipulative, pseudo-ethical charges. Mm. They have to be genuinely ethical. Mm-hmm. And in terms of militant, I feel militant about it. Yeah. But I spared you my rage in the work. I left only tenderness. Yeah. I hold on to my rage. Donc sur ce, je propose d'ouvrir le débat si certains, beaucoup des aspects qui ont été évoqués ce matin vont être poursuivis cet après-midi, car je avec nos amis linguistes, mais si vous avez des réactions, des questions, des remarques, des conseils. Moi j'avais une question, Chantal. Pour revenir sur l'aspect artistique dont on n'a pas beaucoup parlé, et je pense pas que ta question a été totalement répondue par Léna. Moi sur l'aspect du son, musicienne, donc le son dans mes oreilles marche beaucoup. Je voulais avoir des détails sur le travail des sound designers dans le projet. Comment vous avez traité et avec quel type de son vous avez constitué l'environnement? Pour moi, le projet est basé sur la voix. Et c'est vrai que je suis
c'est toujours le cas, assez gênée par ces grands écrans qui bouffent l'espace, et que très souvent, avec ces grands écrans comme ça, j'étais intéressée par le fait qu'à Londres, c'était une autre forme, je trouve que le son est un peu diminué par rapport à la force de cette grande image au centre. Donc, ma question, c'est autour du sound, la place de la voix dans le son. Yes. Marco Capalmo, sitting here behind, he would agree with you that the image is hogging away from the sound. Yes. You mean the perfect image is a black screen. Yes, that's right. Not really. Well, we Hollywood composer says. But Marco, you got the black screen. That's the beginning of the aura, which is midway. You have nothing on the screen. You remember there's 1 minute of that. And actually, halfway through the oratorio, when the image vanishes, yes, for about a minute and a few seconds, my heart starts racing. Because I feel like, you know, the audience will just be so disoriented that they will leave or hackle, demand an image. And I did as much black as I could. But I also wanted this transition without taking away from sound. That was the desire. So I will come back to that. But first, how it worked with the composers, with sound engineers. First, I called the library, which was enormous. And then I narrowed it down, because both based on, you know, endangerment, but also on the feeling, because I wanted that feeling of suspense and hauntedness. I wanted to haunt people, and so the certain aesthetic was pre-designed by me, and then I started to do the work of picking a team. So I first thought I would either go with Mark Mangini or with Marco Capalbo. And I talked to both of them and I listened to what they said. And the first things that they tried to do based from the library. And I thought, well, with Mark, it would be very warm. It would be very Rachmaninoff-like. So the first part of it, which is very melodic and lyrical and intimate, like Ingrian sound arrangement, which is arranged from being intimate in the beginning to cathedral. And with Marco, it would be much more choral, much more of an oratorio and more of a Stockhausen and John Cage-like. And I thought, well, this can't be because these are two drastically, radically different musical minds that would be treating these sounds very differently. And then I realized, stroke of luck of somebody who is completely incompetent musically. So through ignorance, I decided, actually, I'll have both. And I think that really worked, because you both have the personal and the one shimmering star, two cosmic. And I think, at the end of the day, it worked, if I may say so myself about the work, our own work. And for example, when you see the drone flight through the forest and over the lake and with the swans. I know a lot of DPs, a lot of cameramen, just because that's what happened in my life. Yes. But I didn't use them.
because the DPs that work for cinema are trained to look for stories, and even, and they all have drones, and they volunteered to do it for free for me because I was talking to them about the idea of going through the drones, through the forest with a drone, and I didn't want that. I wanted a level of abstraction and suspense that is so extreme that you are really forced to listening. The whole exercise is for us to neurologically hear and listen. So, for example, the beginning of the oratorio, the sound is kind of in front, which is how you're used to listening to sound. So the first 15 minutes, the opening 3 minutes of the overture is volumetric, but then the first, let's say, 15 minutes is kind of in front, how we're used to experience a concert or any presentation anywhere. And then it starts at the conversation to become more volumetric. And then after the break, the black screen, it really gains volume. And it gains separation. And so the voices gather and break apart. They gather and they break apart. Mm-hmm. And then they build, and stop. And for example, when I look at my notes on compositions to Marco and Mark, I remember I was looking through some of my old notes lately. I knew it would open with a giant bell. I knew it would close with an exhale. I knew there would be arias and then the choral. Mm-hmm. And I kept saying, this is not a requiem. Mm. This is an oratorio. Mm. Then if a requiem at all, it's the Verdi requiem, you know, the kind of defiant challenge against oblivion, because this is a work against oblivion. Mm. Mm? So, and how do you make the voices heard? Because we are talking about an extinction which intrinsic form is silence. How do you articulate silence? You sound what has gone silent. Mm. Obvious answer. But how? You sound it in such a way that this existence cannot, will not be denied. Mm. That neurologically your brain registers them as present. And that's why we created what Marco called a four-dimensional sound sculpture, which is most lifelike. It exists in time and in space. Merci beaucoup, Léna. Je propose en mot conclusif de laisser la parole à Michel de Fornel qui va nous quitter parce qu'il doit aller rencontrer d'autres linguistes à Lille. Et il souhaitait réagir aussi aux propos de Chantal, à la question de Chantal. Oui, je vais réagir, mais juste par un témoignage. Je dois dire que j'ai été très sensible. Et c'est pour moi un peu le problème des sound studies en général, c'est qu'au fond... le son est retravaillé de telle façon que la voix ne s'entend plus. Donc c'est important et c'était intéressant parce que on voyait ainsi disparaître ces voix par la transformation technique du son. Mais je dois dire que j'ai particulièrement apprécié les moments où on entendait bien le timbre des voix. On entendait la colère, on entendait une interaction sous-jacente. Donc on avait là des locuteurs qui s'adressaient à d'autres, et je pense que c'est le point très important. Les langues restent vivantes parce que les locuteurs les parlent, ils s'adressent à d'autres, et donc cette dimension acoustique du son, elle est importante si elle indexe ça. Si elle s'efface dans le son, effectivement, c'est Last Whisper. Voilà, donc c'est ce point, ce moment de témoignage que je voulais apporter, et je pense que le débat continuera cet après-midi. Merci Michel, merci beaucoup, merci Léna, merci Mandala, et merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin. Voilà, on se retrouve cet après-midi, enfin tout à l'heure si vous le souhaitez, vers 13h30. 1:30, more or less. Until
Et on arrête jusqu'à 4 heures, voilà, pour avoir le temps d'aller à l'espace Cardin et écouter ce soir une autre version de Last Whispers avec casque et son binaural cette fois. Merci. Thank you. Directement inspiré de la création audiovisuelle de Lena Herzog que nous avons vue hier soir ici. Et que ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ou qui veulent vivre une autre expérience pourront partager cet après-midi, enfin à 18h à l'espace Cardin, cette fois avec un son binaural, avec des écoutes au casque. Donc, c'est une expérience très, très différente. Donc, je ne présente pas à nouveau Lena Herzog, je remercie de nous accompagner tout au long de cette journée. Je remercie aussi Mandana Vilidipour de nous rejoindre ici et de rester avec nous tout au long de ces débats. Et donc je suis heureux d'accueillir Jean-Marie Humbert cet après-midi. Alors Jean-Marie Humbert, votre venue m'honore tout particulièrement parce que vous êtes devenu directeur du département des sciences de l'homme et de la société au CNRS en 2002, peu de temps après que le CNRS m'a recruté, et donc j'ai l'impression de recevoir mon directeur à cette table, donc je suis un peu... je me sens dans la position d'un étudiant, là. Alors, vos premières études vous ont conduit du côté des mathématiques. Vous avez un diplôme d'ingénieur en informatique de l'INSA à Lyon. Puis, vous avez traversé l'océan, vous avez traversé les États-Unis en vendant des chaussures. Et ça s'est terminé par un PhD en linguistique à l'Université de Californie à Berkeley. Puis vous avez été professeur de linguistique à l'université Lyon 2. Vous avez été directeur du programme Origine de l'homme, du langage et des langues au CNRS. Et vous faites partie de ces chercheurs donc qui ne dénigrent pas l'administration de la recherche. Et vous y voyez bien au contraire un lieu par excellence du combat démocratique qui se livre à cet endroit pour asseoir la présence de la science dans les sociétés contemporaines. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages, d'articles. Je ne retiendrai que celui que vous avez publié en 2014 avec notre ami l'ethnologue Gérard Lanclude, qui porte pour titre « Comment le langage est venu à l'homme ?» Un ouvrage de 560 pages quand même, publié par les éditions Fayard. Et vous êtes ainsi devenu spécialiste de ce moment pour moi très poétique que peut représenter la naissance du langage dont on a coutume de faire un trait d'humanité. Vos recherches ont porté pour l'essentiel sur la richesse linguistique du Gabon, du Cameroun. Vous allez nous en dire un mot tout à l'heure. Et je mentionne aussi quand même cet ouvrage au titre évocateur dont vous avez dirigé la publication aux éditions du CNRS. Et qui porte pour titre « Cœur d'Afrique, gorille, cannibale et pygmée dans le Gabon » de Paul Duchaillu. Valentina Vapnarski, vous êtes anthropologue linguiste. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous dirigez l'EREA. C'est un centre de recherche du CNRS basé à l'Université de Nanterre qui regroupe les spécialistes des sociétés amérindienne sur une zone qui s'étend des basses terres d'Amérique du Sud, particulièrement l'Amazonie, aux Andes et à la Mésoamérique. Au sein de ce vaste ensemble, vous avez développé des recherches sur les interactions verbales quotidiennes et rituelles maya au Guatemala, le maya Itza, et les mayas yucatèques au Mexique. Ce qui retient votre attention, ce sont les questions liées à la temporalité, à l'historicité, aux formes de catégorisation, à l'agentivité, aux relations au savoir et à la traduction. Vous avez également produit des analyses de la grammaire des langues mayas, travaillé leurs écrits depuis les textes coloniaux
jusqu'à la poésie maya contemporaine. Ça, c'est intéressant. Vous êtes par ailleurs impliqué dans des projets de restitution tels que le Sawa, savoir autochtone Wayana Apalai en Guyane, qui est un projet tout à fait passionnant. Et vous avez publié deux ouvrages, dirigé la publication d'une quinzaine d'ouvrages collectifs et une cinquantaine d'articles scientifiques qui font de vous l'une des personnalités de référence des langues mayas au plan international. Rosane Milin arrive de Rennes, elle va nous rejoindre, je sens qu'elle va nous rejoindre très vite. Voilà, elle avait un rendez-vous institutionnel incontournable ce matin, mais bon, elle arrive, son train arrivé à 13h à Gare Montparnasse, donc je pense qu'elle va... elle a grandi dans une famille du Finistère, dans un contexte bilingue, breton-français. Elle a effectué sa carrière essentiellement dans l'audiovisuel en tant que journaliste, réalisatrice pour des chaînes de télévision françaises et aussi pour Arte, pour la BBC, etc. En 1998, elle avait été chargée par TF1, télévision française, de monter une première chaîne de télévision régionale bilingue breton-français, TV Brights. Elle l'a dirigée, cette télévision, jusqu'en 2003. Puis, elle s'est engagée, lorsqu'elle était conseillère à l'ambassade de France à Pékin, elle s'est engagée en 2007 dans un projet de préservation des langues et des cultures en danger à travers le monde, à travers le programme Soro Soro, que tout le monde connaît bien ici. Et elle a rassemblé donc 300 heures en gros de documentation qui sont accessibles sur le site sorosoro.org qu'elle met à la disposition de tous. Mais on la connaît aussi donc pour la réalisation pour la chaîne Arte en 2013 d'une série consacrée aux langues africaines menacées de disparition, une série qui était intitulée « Ces langues qui ne veulent pas mourir ». Voilà, donc c'est aussi des langues, donc elle était en phase avec le projet de cet après-midi. Et je propose donc cet après-midi que nous, avec ce panel enrichi, d'une certaine manière, que nous essayons de situer le projet Last Whispers dans un contexte plus large d'initiatives qui sont prises de par le monde pour à la fois étudier, renseigner, documenter l'existence d'une langue, et puis des initiatives qui sont prises soit par le monde de la création télévisuelle, par la télé, par les médias, pour prendre le relais des chercheurs d'une certaine manière, voire parfois pour se superposer ou voire remplacer, parce que ce n'est pas un monde sans tension. Je pense que c'est intéressant de les évoquer. Et puis d'autre part, donc, des démarches aussi de création artistique qui font une place à ces langues. Donc, je propose de commencer par vous, Jean-Marie Humbert, si vous voulez bien. Comment on fait pour compter une langue ? Pour compter le nombre de langues ? C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Donc, souvent on parle des histoires de langues et des histoires de dialectes. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ce que les gens font habituellement, c'est que les gens pensent qu'il y a une langue lorsqu'il y a une écriture. Et le nombre de langues qui ont une écriture est une incroyable subdivision des 7000 langues qui sont parlées dans le monde. N'oubliez pas que l'écriture est arrivée en gros il y a 10 000 ans et que les langues parlées dans le monde existent au moins depuis 70 000 ans. Donc vous voyez, entre 70 000 et l'époque de l'écriture est vraiment différente. Moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique et il y a encore des tas d'endroits. J'ai beaucoup travaillé au Cameroun et surtout beaucoup au Gabon. Je vous parle par exemple du Gabon. Le Gabon, c'est un pays où il y a la superficie, c'est en gros la moitié de la France, et sur l'ensemble du territoire, il y a environ 1 million de locuteurs. Donc, il y a beaucoup de langues qui ont très peu de locuteurs. Il y a en fait 52 langues au Gabon. Moi, j'ai travaillé sur une bonne partie de ces langues,
Et la plupart des endroits où je vais, en particulier les gens de ma génération, ne savent pas écrire du tout. Donc ce n'est pas une liaison entre le fait de parler et le fait d'avoir une attente. Donc pour revenir à votre question, en gros on dit qu'il y a dialecte lorsque les gens peuvent se comprendre entre eux, et on dit qu'il y a une langue lorsque les gens ne se comprennent plus. Mais même ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Regardez par exemple, je sais pas, entre la France et l'Italie, de village en village, au début il y a de plus en plus de Français. Et plus on va vers l'Italie, il y a de plus en plus d'Italiens. Est-ce que les gens aux deux bouts du domaine se comprennent? Eh bien, pas vraiment. Hmm. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que depuis 2000 ans, le latin s'est imposé en France et que ça s'est diversifié. Et donc maintenant, il y a vraiment une langue qui s'appelle l'italien, vraiment une langue qui s'appelle le français. Mais il y a des tas de parler entre les deux qu'on pourrait appeler des dialectes. Donc entre le point A et le point B, ils ne se comprennent pas, mais entre A et les points intermédiaires, ils se comprennent. Donc pour répondre à votre langue, c'est très très difficile. Mais pour revenir à notre propos, on dit qu'environ en France, dans le monde, il y a environ 7000 langues. Est-ce que je peux poser la question en mandala? Est-ce que vous savez combien de langues vous avez dans les archives de SOAS? Right now, in our archive, it's over 500. We have, okay, this, I have to be very careful and exact about this. We have recordings that have over 550 languages in them. Okay. So that makes it very careful to be saying, you know, this can be endangered languages or whatnot. But I think one of the most important thing to add to this is that the word language is not a linguistic term. The word language is a political term, right? That's the most important thing to keep in mind. It's not the linguistic definition that we use for language. Language is political, and you can see this in a very simple example. After the war in Yugoslavia, Europe suddenly had three more languages. Somebody asked a linguist. Okay, go ahead. What's the difference between a dialect and a language? And he said a language is a dialect with an army and a navy. That was Chomsky. Yeah. No, it wasn't. No, it was not. It was not Chomsky. It was within a very unfortunate combination. But I think the most important thing is, it's a political term. It's not a linguistic term, exactly. Right? That's what is really key for us. En vous posant la question, je reviens tout de suite. En vous posant la question à vous, Mandana, j'imaginais que l'entrée dans des archives pouvait être le passage dans lequel s'exprime une critériologie qui permet de déterminer, de décider ce que c'est qu'une langue. Est-ce que je me trompe? Yes. Yes, that would be incorrect. Full stop. End of the. because of course, you know. To understand or develop consistent linguistic criteria on what we would define as a language or as a dialect, we would need to do very thorough investigation on many domains of language use to have an idea to do a thorough documentation. Also, the concept is in a very static mind, and what you just express is the diamond. Imagine I would say to the French, my apologies, the Italian and the Spanish, you're all dialects. But I've seen them talk to each other, right? They can make them understand. But to have something in the archive doesn't mean that this defines something as a language, okay. Right? That's not the criterion. The criterion is a political one. And, you know, as such, for us linguists, it's more like, let's try to understand. And this binds back to the big question of universality and diversity, right? What is universal in language and what is diverse in language? Or, you know, what do everyone does is based on a handful of languages. I mean, the sample that all these claims about universality is based on is so small that every hard scientist would crack up about these claims that, all languages have X. Well, you looked at what? Five? English?
the classic, right? So also that's why the work that is done on these grounds to bring all, to have an understanding of these languages is also to just understand what language actually is and what the variation is and what the cognitive creativity of the human mind is to develop 7,000 varieties of this across space and time. And we've just scratched the surface and we're running against time, right? Quand j'étais élève en primaire, je suis picard et je ne parlais que le picard. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai eu zéro en dictée parce que mon instituteur venait du Jura et qu'il ne voulait pas qu'on parle picard et il nous interdisait de parler picard. Et si on faisait le moindre erreur sur le français dit standard, on avait zéro en dictée. Et tous les enfants de mon village avaient zéro en dictée jusqu'au certificat d'études. Donc, la diversité, on cherche maintenant des langues partout, en Afrique, en Australie, pour trouver les dernières vestiges des langues. N'oubliez pas que c'était exactement la même chose il y a 50 ans en France. Alors, revenons au Gabon. Donc, vous nous dites qu'il y a une cinquantaine de langues. Oui. Alors, l'histoire du Gabon... Toute l'histoire de l'Afrique, en gros, au sud de l'équateur, toutes ces populations se sont développées il y a environ un peu plus de 4000 ans. Et toutes ces populations venaient de la frontière actuelle entre le Nigeria et le Cameroun. Et sur 4000 ans, toutes ces populations ont rempli la partie sud de l'Afrique. Donc il y a environ maintenant entre 500 et 600 langues, qu'on appelle des langues bantoues, qui couvrent toute l'Afrique. Et la question, c'est de comprendre comment ils se sont répandus, et comment ces différentes populations se sont intégrées. Et il y a un autre problème très intéressant aussi, c'est que ces populations bantoues se sont répandues dans un domaine géographique très très étendu, la moitié de l'Afrique au moins, mais ils ont rencontré des gens qui étaient déjà dans la forêt, ce qu'on appelle aujourd'hui les pygmées. Évidemment, les pygmées n'apprécient absolument pas ce terme. Le terme qu'on doit utiliser, c'est plutôt des chasseurs-cueilleurs. Mais la question, c'est comment les langues bantoues qui se sont introduites auprès des chasseurs-cueilleurs, que s'est-il passé avec la langue des chasseurs-cueilleurs? Moi, où j'ai travaillé, et d'ailleurs c'est comme ça dans l'ensemble du domaine bantou, il n'y a aucune langue pygmée. Aucune langue pygmée. Et évidemment, c'est comme le basque, hein. On essaie de trouver la langue originaire des pygmées. Et on n'a jamais trouvé. Et toutes les langues sur lesquelles j'ai travaillé, il y a une vingtaine de groupes pygmées au Gabon, toutes ces populations-là parlent une langue bantoue qu'ils ont empruntée aux langues bantoues. Et ce qui est très intéressant avec ce phénomène-là, c'est que ces populations-là ne sont pas nécessairement à l'endroit où ils ont acquis cette langue bantoue. Ils ont pu se déplacer à différentes époques. Et ce qui est très intéressant, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a des choses que l'on peut faire maintenant et qu'on ne pouvait pas faire il y a seulement 15 ans. La génétique est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante pour rassembler les mouvements de population. J'ai travaillé avec des gens, des linguistes et des généticiens au Gabon. On a récupéré 1200 éléments sanguins de toutes ces populations-là. Et ensuite, on a fait de l'ADN sur ces populations-là, aussi bien des bantous que des pygmées. Donc on voit très clairement, évidemment, une grande différence entre l'ADN des pygmées et l'ADN des bantous. Mais maintenant, avec l'ADN, on peut savoir à partir de quel moment ces chasseurs-cueilleurs et ces agriculteurs se sont rencontrés. Je salue l'arrivée de Rosane Mini. Voilà. Je vous ai déjà présenté, Rosane, excusez-moi. Mais... Donc, tout le monde vous connaît. Et... Soyez en confiance et merci encore d'être là aujourd'hui. Donc, j'insiste une dernière fois, là, des choses que l'on ne pouvait absolument pas dire il y a quelques dizaines d'années, en gros depuis une bonne dizaine d'années, c'est que la génétique amène des choses que les linguistes ne pouvaient pas dire avant. Donc c'est une place ouverte à la seule manière de faire de la linguistique aujourd'hui, c'est de faire des programmes interdisciplinaires. Absolument, absolument. Tout à l'heure, on insistait sur le fait que ce que j'ai toujours essayé de faire, c'était de regrouper les sciences humaines avec les sciences dures. Il y a beaucoup d'interactions entre les deux et parfois en France, on a du mal à séparer les deux disciplines. C'est vrai. Alors, je vous pose une question, puisqu'on est entre nous et que vous avez écrit quand même... beaucoup sur l'origine du langage. En quelle langue parlaient Adam et Ève?
Je ne réponds pas à cette question. Mais il y avait évidemment beaucoup de débats là-dessus aussi. Ça existe depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années maintenant sur l'origine du langage humain. Pendant très longtemps, et je pense que ça dure encore un peu maintenant, on pensait que l'origine du langage humain datait de l'arrivée des Homo sapiens. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que les Homo sapiens sont arrivés en gros, maintenant il y a des données jusqu'à 300 000 ans, mais en gros, ils sont sortis de l'Afrique il y a un peu plus de 100 000 ans, ils se sont répandus sur l'ensemble de la planète, et l'origine du langage humain tel qu'on l'a maintenant, c'est beaucoup plus récent, et je dirais que c'est autour de 60 000. Donc vous voyez, entre 200 000 et 60 000, les Homo sapiens existaient, ils n'ont pas le langage humain tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc l'origine, à mon avis, c'est plutôt hors de 60 000 ans. Et comment, enfin, je ne veux pas trop m'embarquer sur ce thème, mais comment on fait pour travailler sur cette origine? La linguistique a un domaine qui s'appelle la linguistique comparative. On est capable de reconstruire les différentes étapes des langues dans le temps. En général, on peut reconstruire assez facilement jusqu'à il y a 2000 ans, par exemple pour montrer que le latin est à l'origine de l'espagnol, du portugais, du français, du roumain, etc. Ça, on sait faire jusqu'à il y a 2000 ans. Certains vont dire jusqu'à 5, 6, 7 000 ans, et en général c'est parce qu'il y a eu de l'écriture dans ces langues-là. Les plus osés vont jusqu'à 10 000 ans, mais encore une fois, entre 10 000 ans et 60 000 ans, il y a 50 000 ans où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et moi je pense que pour aller aussi loin dans le temps, la linguistique qui nous permet de remonter au mieux jusqu'à 10 000 ans, il faut utiliser les capacités cognitives qu'avaient ces gens-là pour construire. Par exemple, j'ai écrit avec l'un de mes étudiants qui est maintenant professeur à Hong Kong, avec Christophe Coupé, on a essayé de montrer que les gens qui sont allés en Australie il y a 50 000 ans, pour aller du sud-est asiatique jusqu'en Australie, il y avait une traversée d'un océan qui faisait au moins 170 km. Et pour faire ça, c'est impensable qu'on ait pu faire ça sans avoir un moyen de dialoguer de manière sophistiquée à cette époque-là. Donc, en gros, c'est en regardant ce qu'ils ont pu faire qu'on peut inférer le type de langage qu'ils avaient. Mais ce n'est pas la linguistique qui fait ça. Oui, c'est l'anthropologie. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. And that is because we don't have ways. We don't have records, right? We don't have anything to rely on. Yeah. So because there is no written possibility. So that's why also it's so key what she does, namely to record as much as we can get, as long as we can get this in the richness that it is. So we can actually, you know, create a long-term record. Yeah. Because what we have right now is we have grammars and word lists, if we're lucky. Pour revenir à mon exemple d'Australie, pardon. You can see. Pour revenir à mon exemple d'Australie, on a les Homo sapiens qui ont été datés en Australie à 50 000 ans. Donc on savait que les Homo sapiens étaient là. La question c'est comment est-on arrivé en Australie. Alors Valentina, vous travaillez sur une autre région, donc sur les langues mayas. Et quand on a préparé cet après-midi, là, vous avez évoqué ces langues qui sont parlées, l'une dans les hauteurs, l'autre dans la plaine. Et cette géolocalisation entraîne a une influence sur la préservation des langues, sur la façon dont elles se transmettent. Alors, c'est pas si simple. C'était pas exactement ça, mais c'était une conversation très rapide, je dois dire. Mais effectivement, j'ai dit que j'étais extrêmement sensible au travail qui a été fait par Léna, parce que je travaille, comme la plupart des linguistes, sur des langues qui sont dans des situations de fragilité, et que dans mon parcours, j'avais travaillé sur des langues mayas, sur des langues qui s'appellent langues, que nous appellerions dialectes, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, je ne peux pas dire que ce sont des langues, parce que c'est une question politique, et ça affaiblit maintenant une langue que de dire qu'elle n'est qu'un dialecte de l'autre, donc qui sont très très proches, et qui ont eu tout à voir sur des siècles, mais qui depuis un siècle et demi ont eu des histoires très différentes, donc une langue maya au Guatemala, qui naît aujourd'hui, qui était parlée quand j'ai commencé mon travail de terrain dans les années 90 par 50 locuteurs, et qui est aujourd'hui parlé par une vingtaine, disons,
et une autre langue à quelques centaines de kilomètres qui est très proche, mais qui a une histoire très différente et qui est parlée par 800 000 locuteurs, le maya yucatèque, et avec des chiffres qui semblent montrer effectivement, enfin, qui révèlent des situations sociolinguistiques très différentes. Dans le premier cas, des langues très isolées avec une mortalité, enfin, de différentes causes, mais coloniales principalement, énorme au XVIIe siècle, c'était une conquête assez tardive, et donc des populations qui sont restées concentrées dans des villages, avec ensuite au XXe siècle, ce qui s'est passé dans de très nombreux endroits dans le monde, une violence à l'école à l'encontre des personnes qui parlaient cette langue-là, qui a fait changer en fait les parents d'attitude et qui ont cessé d'enseigner, enfin de parler la langue à leurs enfants, ce dont parlait Michel, qui est le critère en fait décisif. Et au Yucatan, donc au Mexique, des langues extrêmement plus dynamiques, 800 000 locuteurs avec une diaspora à San Francisco, enfin des gens, des milieux très différents, des urbains, des ruraux. Mais en même temps, aujourd'hui, donc 20 ans après que je suis arrivée dans cette région, je sens aussi que même une langue qui est parlée par 800 000 locuteurs pourrait, en l'espace de 20 ans, ou peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, devenir une langue extrêmement fragilisée et en danger, puisque dans différents espaces, on voit maintenant cette même coupure, en fait, de la transmission générationnelle qui se produit. Hein, donc même, en fait, le nombre de locuteurs n'est pas du tout le seul critère pour établir le degré de vitalité ou de fragilité d'une langue. On a des langues, on avait encore quelques décennies, ou il y a même une décennie en Amazonie, des langues parlées par 200 personnes qui étaient très vitales, parce que les mères parlaient, tout le contexte, on parlait ces langues-là aux enfants, donc elles se reproduisaient, et on a des grandes langues, des langues beaucoup plus parlées, qui sont au contraire dans des situations finalement de fragilité bien plus grandes. Ouais. Ouais. D'où l'appel lancé tout à l'heure par Michel de Fornel au président Trump, pour qu'il sauve les langues mayas. Alors, il faudrait déjà lancer l'appel aux politiques gouvernementales des pays du Mexique ou qui sont parlés. Je crois qu'il y en a quelque chose. Oui. Oui. Yes, in terms of the, I have two stories about teaching of the endangered language. One was I spoke to people from the Cheyenne tribe in Oklahoma, and a man in his 60s was talking about his father. If he ever spoke Cheyenne in school, his head was bashed. He was physically, brutally punished. So you heard similar stories in Australia, with the Australian Aboriginals, a similar story. In fact, many of them were basically kidnapped and hauled into orphanages, even though they had their families intact, and they were forbidden to speak their languages. A second story is, a year ago, I was in Peru, and I was in a class of Eseyeja, and there were about 10, 12 kids and a teacher trying to teach the kids their language, Eseyeja. She would put up a yellow card and she would say, "What is it?" in Eseyeja, and everybody would yell, "Amarillo." And she would say it in Eseyeja, and they would say it in chorus. Put a red card, "What is it?" "Rojo." She would again, "No." In the Seyeja. And it's a real, real struggle for them. And it only, in most of the cases, they have absolutely no support. It's entirely on their own dedication and their own enthusiasm. And sometimes when there is opportunity and opening that, say, government finally after hundreds of years comes around and says, "Oh, here's an opportunity for you,"
people lost the fire, the enthusiasm. Mm. So, you know, like in the case with Gaelic language, where after the bloodshed, euphemistically called the Troubles, the Good Friday Accord provides for the support in Gaelic language and allocates money and policy, which is the only way it really works. People on their side also have the enthusiasm to keep it, so both power allows it and people want it. And that's a magic moment when that revitalization can take place in a meaningful and long-lasting way. I'm sorry, Lena, that last idea I didn't catch. You said people on both sides? Power gives an opening, which is very rare. Power never gives an opening, but sometimes it does. And people still want it. And so when power gives an opening and people want it, that's when it happens. It's a magic moment, and a rare one. And one last thought, that Irish people became both inherited in their culture, or remained inherited in their culture through Gaelic language and culture, and they all speak English, of course. So they're both inherited and they're worldly at the same time. And I think that's an ideal situation. Mm. Valentina Vapnarsky, j'ai l'impression là que tous les linguistes sont d'accord pour dire qu'une langue n'est pas une langue. Mais alors, oui. comment on traduit langue en langue de linguiste? Oh, sorry about that. Well, glad that question went to you. C'est une très difficile question à laquelle on pourrait répondre de différentes façons. Je dirais déjà que ça dépend beaucoup du type de linguiste qu'on est. Puisqu'il y a des linguistes qui vont s'intéresser beaucoup aux structures à une certaine façon de voir les structures cognitives qui nous permettent de parler en mettant plus le focus sur ce que nous partageons tous en tant qu'humains et qui nous donne cette capacité de langage d'une façon. Et d'autres, pour prendre un peu peut-être l'autre extrême, qui vont s'intéresser plutôt au fait que le langage est d'abord une activité sociale. C'est la communication, mais au sens très épais, de communiquer du sens avec des moyens particuliers que nous donne une langue donnée, avec des interlocuteurs particuliers, dans des situations socio-historiques générales et à la fois des contextes très individualisés. Et c'est toute cette matière très épaisse et hétérogène qui... où s'unissent d'ailleurs à la fois la langue et les actions, les mots et les gestes, ce qui est dit et ce qui est inféré, ce qui est implicite, et tout ça crée un mélange qui est la vie de la langue. Donc moi, ma position, elle est plutôt de ce côté-là. Vous ne parlez pas de langue, vous parlez de la vie de la langue. Alors, j'utilise rarement cette métaphore, mais je parle de pratiques langagières, je parle d'interactions communicatives, je parle de moyens... d'outils grammaticaux éventuellement qui sont très importants, que nous donnent les langues et qui ne sont pas les mêmes en fait d'une langue à l'autre et qui vont en tant que locuteurs, nous entraîner vers des façons de dire et d'être sensibles à la réalité qui sont différentes selon qu'on parle une langue ou une autre. Et en même temps, certes, bien sûr, on partage beaucoup de choses. J'étais aussi très sensible à ce qui était dit ce matin sur cette tension entre ce qui est partagé et ce qui est très individuel, ce qui est l'unité et le divers. Et je pense qu'en tant que linguiste, tous les linguistes, je crois, aujourd'hui ont des positions sur ce curseur entre le tout universel et le tout différent, ont des positions différentes sur ce curseur. On est plus ou moins là, mais on est d'accord que c'est cette tension qui est intéressante et qui aussi contribue à être attentif à cette disparition, enfin, à cette fragilisation des langues, puisque le curseur ne vient plus que sur un côté. Ceci dit, il faut aussi penser que quand on dit dans 50 ans, on parlera tous l'anglais, on parlera, à mon avis, il y aura des centaines d'anglais différents, si c'est le cas, hein, parce que la tendance quand même de l'humain, c'est de rediversifier tout le temps, je pense, dans des communications réelles. Donc en fait, cette homogénéisation, elle va toujours vers... Il y a aussi cette force comme ça, centrifuge toujours, de recréer de la différence, parce que c'est ce qui fait l'humain.
Merci. Je crois que Jean-Marie Humbert souhaitait intervenir sur la question de la langue. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, avec la langue, on veut faire deux choses. On veut communiquer avec le maximum de gens. Donc, une seule langue unique serait formidable, on pourrait communiquer avec tout le monde. Mais on veut aussi marquer son identité culturelle. Donc là, on veut avoir une langue qui est réduite aux gens que l'on connaît vraiment bien de son ethnie. Quelle est la solution? Mais la solution est évidente. La solution, c'est de parler plusieurs langues. Moi, j'ai travaillé avec des tas de gens en Afrique qui parlaient 2, 3 ou 4 langues. Personne ne s'étonne de ça, mais c'est une bonne manière de pouvoir communiquer sur les choses importantes de sa culture et qui vont disparaître si on généralise l'anglais, l'espagnol, le français ou n'importe quoi. Parce que, je vous donne un exemple, moi j'ai travaillé sur des langues où il y a beaucoup de termes pour les noms d'odeurs. On ne sait pas les traduire ni en français ni en anglais. Et si ça s'est perdu, c'est fini. La culture aura complètement disparu. Donc ça, c'est très très important. Mais si on reste uniquement dans la langue de son ethnie, dans un petit coin où on parle ça à 100 locuteurs, on va pas pouvoir communiquer avec les autres. Donc j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut être plurilingue. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. De dire c'est soit l'un, soit l'autre, c'est une mauvaise manière d'aborder le problème. Alors justement, j'ai lu assez récemment des études qui viennent du Max Planck Institute où Vandana a travaillé dans les Pays-Bas. Et qui nous disent que, sur la cognition humaine, qui nous disent que le cerveau humain est préparé pour parler plusieurs langues. Mais évidemment. Mais évidemment. C'est étonnant, ça. Mais évidemment. Je crois que c'était les plus doués qui parlaient plusieurs langues. La majorité de la population mondiale parle plusieurs langues. Exactement. Les Occidentaux, il y a des Français qui font ça, ou les Basques, mais... Ah mais les Basques après disent que les Français l'ont dit. Let me bring back our institute. The researchers is like, that doesn't come from our institute. That's not, you know, that's not news to them. That's the baseline of the Max Planck where I was raised. So, but maybe I can also add another dimension to this. I'm a Levinsonian, my professor from the Max Planck. And of course, another dimension is, and it's a biological metaphor again, you know, the language that you speak makes you perceive and process information in particular ways, right? Yeah. And so if you think about diversity of perceiving and responding to threats or to any kind of, you know, challenge, if you have a diversified crop, your likelihood to survive is bigger than if everything is the same. So just a very simple thing about diversity that you can also then use in the metaphor. And also dominant cultures strangely tend to become very provincial. And that is to the fact that it's all in dominant cultures where we tend to speak one language or maximum two, but most of the world speaks several. And in fact, when we permeate the world with our own culture entirely and capture all the resources of this permeation by our culture, we actually force the world to be provincial, limited. Oui, je sens qu'il est très important de Sentez-vous libre d'interagir entre vous, parce que au fond, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Nous, on s'appelle pour prolonger aussi le débat politique de ce matin et de remettre les deux ensemble, et que le plurilinguisme aujourd'hui va malheureusement encore souvent avec une très forte stigmatisation de certaines des langues que l'on parle. Et c'est pour ça qu'elles sont... Donc il y a deux plans. Il y a d'une part cette colonisation de l'imaginaire monolingue, pas par l'imaginaire monolingue, ce qui est bien, c'est d'être monolingue, ou en tout cas l'homme normal est monolingue, et d'autre part sur un plan où la plupart, beaucoup des langues qui sont en train de disparaître, sont en train de disparaître parce que ce sont des situations politiquement très fragiles de stigmatisation, et donc les personnes qui sont plurilingues cachent ou effacent ou oublient d'une façon inconsciente leur propre langue parce qu'elles sont stigmatisées et qu'elles veulent avoir une vie meilleure, pour le dire très simplement. Donc cet aspect-là, il est quand même essentiel dans la politique, dans l'économie interne des langues que chacun peut parler, comme la plupart d'entre nous on peut le dire aussi. It is also the discourse that we are having within linguistics and with the public is also a notion of, you know, there's an essentialism that we're facing, right?
which is based on the of this idea of a nation state and one people and one language, and that is unity. And this is not the reality for many places. Mm-hmm. If you just look at the map of Africa, you know exactly what these borders mean for the people that live there and Historica has done to them. Mm-hmm. And you have beautiful examples. So you go to the lower Fungum region. This is a region 10 by 10 kilometers, as big as London, right? Mm-hmm. They have, I think it's like 9 compounds village. No, it's 12 compounds, 9 languages spoken on a daily basis by the people. And it's a beautiful example how multilingualism is peace building, right? This is the other issue that we're facing in the political discourse, this essentialist notion, because it's dominated by a nation state idea. And also, on the other hand, the notion of what is language and how we describe it, let me also, it's based on the fact that we as a discipline in linguistics had to deal with the only thing that we could do research on was what was written down. It was the only thing we could capture. And so it was only in the beginning of the century that recordings could be made. But it's now that with the video camera and with digital means, we have now the ability to actually capture language in its use form, and that has expanded linguistics with work that Valentina, for example, does. And that then questions again what the notion of language is, right? Because we think often now to talk in a better way in many things, to talk about communities of practices where you speak, this is the language of religion, this is education, this is the home language, this is the market language. And so that gives you a dynamic response, and it goes away from this monolingual full competency model that doesn't apply to 80% of the world's population. That's fine. Boom. Alors, Rosane Méline, je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Est-ce que le breton est une langue? Bienvenue. Oui, alors c'est chez moi. J'ai la particularité, effectivement, d'avoir été élevée de façon bilingue dans un milieu paysan où on parlait une langue minoritaire, parce que quand on pense aux langues en danger, on pense généralement aux langues exotiques à l'autre bout du monde, mais sur le territoire français, il y a aussi beaucoup de langues minoritaires qui sont toutes en train de mourir. Tout le monde a bien recadré le débat à ce niveau-là depuis ce matin. Soyez en confiance. Mes parents ne parlaient pas un mot de français avant d'aller à l'école. Ils l'ont appris à l'école, et ils le parlaient moyennement. Ma mère n'a pas son certificat d'études, donc dire que c'est du breton traduit quelque part. Et donc tout cela m'a amené, tout mon engagement envers les langues et la diversité culturelle et linguistique vient de là, parce que j'ai constaté depuis toute petite cette espèce de fossé entre le fait que mes parents parlaient une langue, on ne parlait que breton chez moi, sauf quand on s'adressait aux enfants. Et alors tout ça s'explique par beaucoup de choses, en particulier par le fait qu'on a donné honte à toute une population, comme ça a été le cas partout à travers le monde, on a donné honte à un peuple de ce qu'était sa langue. Évidemment, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Je vais quand même un petit peu recadrer peut-être le breton pour répondre à votre question sur est-ce que c'est une langue. Oui, le breton est une langue. C'est un dérivé du gaélique. Alors, il y a une famille de langues qui appartient aux langues indo-européennes qui s'appelle la famille des langues celtiques. La famille des langues celtiques comprend deux branches. La branche gaélique, avec le gaélique d'Irlande, le gaélique d'Écosse et le gaélique d'Irlande qui est dans le film, et la branche britonique qui comprend le gallois, le cornique, qui était réputé mort mais qui a été ressuscité, et le breton. Et alors, il y a un siècle, la majorité de la population de Basse-Bretagne, c'est-à-dire toute la partie, la moitié ouest de la Bretagne, parlait breton. C'était 1 million de locuteurs. C'était la très grande majorité de la population qui parlait breton, dont une bonne partie de monolingue. Il y a 30 ans, on était encore 500 000. Aujourd'hui, les chiffres disent 200 000. Et vraiment, je suis d'accord avec ce que disait Valentina, ça va très vite. Aujourd'hui, on est 200 000, mais la très grande majorité de la population qui parle breton, la population des locuteurs, a plus de 70 ans et on fait 10 000 locuteurs par an. C'est-à-dire que dans 20 ans,
il ne restera que des néolocuteurs et quelques mohicans comme moi. Et donc ça va très vite, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui le parlent que ça va durer. Tout ça est extrêmement fragile. Alors évidemment, ça n'arrive pas tout seul qu'une langue perde du terrain. Personne n'abandonne sa langue comme ça volontairement, ça n'existe pas. Et le cas du breton est le même que celui d'ailleurs de toutes les langues de l'Hexagone, les langues de France. On est ici face à un phénomène très particulier qui est que des populations entières ont changé de langue sans émigrer, en restant chez elles, sans être massacrées, contrairement aux populations des Amériques. Ce sont des peuples entiers qu'on a incités, forcés d'une certaine manière à changer de langue, ce qui est quand même extraordinaire. Sans bouger d'un kilomètre de chez eux, ce sont des millions de gens qui ont changé de langue, et en Bretagne, ça s'est fait en l'espace de 20 ans, en une génération. Et c'est la génération des années 50-60. Alors, ça s'explique par... on a parlé beaucoup d'État-nation, c'est un sujet que je travaille beaucoup moi-même dans mes recherches universitaires. Effectivement, à partir de... Enfin, la France est un État centralisé. Il y a eu une volonté d'État, depuis la Révolution française, d'éradiquer les langues régionales. C'est écrit comme ça, je pourrais vous donner des tas de citations. Il y a eu une volonté d'éradiquer les langues régionales, toutes les langues du territoire, parce qu'il fallait créer une nation ex nihilo, la nation française n'existait pas. Donc, différentes choses ont été mises en place, et en particulier, le turning point, comment on dit en français, vous voyez quoi, le moment de le moment clé a été le moment où il y a eu les lois de Jules Ferry, donc pour l'école obligatoire, ce qui est une chose formidable, hein, c'est l'école obligatoire, vers 1880, donc 80-82 dans ces années-là. Mais tous les lois, partout, il était écrit que la seule langue autorisée à l'école, c'était le français. C'est-à-dire que là, on passait dans le concret, tous les enfants étaient forcés d'aller à l'école et tous les enfants étaient forcés d'apprendre le français. Et plus que ça, alors je vais rebondir sur tout ce qui s'est dit précédemment puisque c'est mes travaux de recherche, les enfants qui parlaient autre chose que le français à l'école étaient punis. Et alors je travaillais en particulier sur une méthode qu'on appelle le symbole. En gros, les enfants qui arrivaient à l'école et qui ne parlaient pas français, ce qui était la majorité à l'époque, n'avaient pas le droit donc de parler français, de parler breton, occitan, basque, etc. Le premier qui était surpris à parler sa langue, on lui remettait un objet dégradant qui s'appelait le symbole. Enfin, chez nous, c'était le symbole, ou la vache, ou le sabot. Ailleurs, c'était la puchette. En Occitanie, c'était le signal. C'était un objet dégradant qu'on mettait autour du cou, généralement, dans la poche. Alors, en Bretagne, c'était un sabot, un morceau de bois, quelque chose vraiment de dégradant. Et ils avaient une pédagogie formidable, c'est que les enfants étaient tenus d'épier leurs petits copains et de les piéger pour qu'à leur tour, ils lâchent un mot de breton. Et à ce moment-là, on leur refilait le symbole. Donc c'est quand même formidable, là on apprend la délation aux enfants. Et à la fin de la journée, celui qui avait le symbole était puni. Ça pouvait être des châtiments corporels, effectivement, comme on l'a dit. Et ça pouvait être toutes sortes de devoirs supplémentaires, des retenues, etc. Et puis c'était surtout le propre général. Enfin, on était le nul, le raté, etc., etc. Donc ça n'a pas été pratiqué dans toutes les écoles, mais ça a été pratiqué dans beaucoup d'écoles. Et ça a marqué toute une population. Ça a contribué à donner honte à tous ces enfants qui allaient à l'école et qui se retrouveraient rangés au rang de plouc réellement parce qu'ils ne parlaient pas français. Et donc quand eux-mêmes, alors eux ils ont continué à parler breton à la maison, mais quand ça a été à leur tour d'avoir des enfants et d'éduquer leurs enfants, ils n'ont pas voulu que leurs propres enfants, ça a été mon cas, hein, ils n'ont pas voulu que leurs propres enfants souffrent et aient les mêmes difficultés que eux avaient eues à l'école. Donc ils ont préféré ne pas transmettre leur langue à leurs propres enfants. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça fait, ça m'émeut d'en parler, parce que mes parents, ma mère, quand elle m'a appris à parler, a refusé de me parler dans sa langue. Elle me parlait dans une langue qui lui était étrangère. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas transmettre tout ce qu'une mère a de plus intime, qui est sa langue. Et elle en a eu honte toute sa vie. À un moment donné, j'ai envoyé tout ça balader, et comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai décidé de parler breton, j'ai pu l'apprendre, puisqu'on ne parlait que ça autour de moi.
Mais mes parents ont fait la guerre, comme tous les gamins de mon âge. Ils refusaient absolument qu'on leur parle dans leur propre langue. Ils se mettaient en colère. Mais carrément, c'était « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton breton ? Mais me casse pas les pieds avec ton breton ! Mais tu ferais mieux d'apprendre l'anglais ! » Ça m'a pas empêché d'apprendre l'anglais, etc. etc. Et jusqu'à ce jour, ma mère, qui a 86 ans, je me retrouve parfois dans des dialogues insensés où je lui parle en breton, et mon breton est bien évidemment beaucoup moins bon que le sien, et elle me répond en français, qui est une langue qu'elle ne maîtrise pas bien. Et on a cette espèce de clash incroyable qui est quand même contre nature. Et donc, alors, tout ça m'a amené, au fil du temps, j'ai fait pas mal de choses professionnellement, en particulier dans l'audiovisuel, et j'ai monté un programme de documentation des langues en danger sur les supports audiovisuels. Jean-Marie a d'ailleurs contribué. Et quelque part, grâce à Jean-Marie, j'ai découvert quelque chose, puisque notre première mission de tournage, c'était au Gabon. C'était pas avec toi, mais c'était avec un linguiste, voilà, que tu nous avais amené. Et un jour, on récupère les rushs, donc, et je regarde les rushs de, qui avaient été tournés à Chibanga, chez Pounou, je vois le maire de Chibanga, je lis les traductions, parce que tout ça est en langue Pounou, et je l'entends, il était là, très sévère, face à la caméra, et en substance, il disait, « Vous, les Français, c'est à cause de vous que nos langues sont en train de mourir. » Vous êtes responsable, maintenant il faut que vous répariez. Vous avez tué nos langues, vous avez tué le Pounou, vous avez tué le Fan, vous avez tué le Bakélé, vous avez tué toutes nos langues. Et ça, c'est à cause du symbole. Et là, alors, et il décrit cette chose, exactement le même système que ce qu'on avait connu, sauf que ce n'était pas un sabot, c'était un crâne de singe. Que donc on promettait aux enfants avec le même principe, devaient se dénoncer, etc. Et depuis, j'ai fait alors ça m'a beaucoup intrigué, évidemment, j'ai fait une série de programmes courts pour Arte, de documentaires sur les langues en danger un peu partout en Afrique. J'ai filmé dans plusieurs communautés, donc au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et partout, j'ai posé la question, est-ce que le mot symbole vous dit quelque chose ? Et tous, sans exception, m'ont raconté leurs histoires de symboles. Et généralement, le symbole dans les pays africains, c'est un os long. Alors vous voyez un peu la symbolique. Que c'est, enfin, je me suis dit souvent, pour nous en Bretagne, c'était un sabot parce qu'on a l'image de Bécassine. Vous savez, c'est Bécassine qui est toujours en sabot. Bécassine qui n'a pas de bouche parce qu'elle ne parle pas, puisqu'elle ne parle que breton, donc elle n'a pas de bouche. Et elle a, sur le plan de la symbolique, c'est quand même. Et elle a ses sabots, donc le sabot, c'est le symbole. Et dans notre représentation à nous, des petits Africains, quand on était petits, les Africains, on nous les dessinait toujours avec un os dans les cheveux. Vous savez, ce que l'os à travers les cheveux crépus. Donc voilà, la boucle est bouclée en quelque sorte. Et même dans les représentations, on met plus bas que terre. Les populations qui parlent des langues qui ne sont pas tu sais que le maire de Chibanga a un doctorat en linguistique. Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas entendu. Le maire. Le maire de Chibanga dont elle parle a un doctorat en linguistique. Pour des fascinating. Non, je vais peut-être arrêter mon monologue. Ah, please. Non, please, I'm sorry. I'm fascinated by the double-edged sort of shame, because there's a shame that is implicitly and explicitly dictated by dominant power about speaking your native language, and then there's your own shame for not speaking your own language. So it's a complete catch-22. I know. It's just shame. And it's an extraordinary way to control. Of course. Because if you make people feel ashamed and afraid, that's control. And of course, let's take a look at how power does that to other languages. And then the irony of the fact that while France did everything, French did everything as the... as that man said, that PhD in linguistics said, and now there's a whole French academy to preserve the French language. Mais le problème avec la France, c'est que... One second. I'm sorry.
So wait, and let me finish the thought. And of course, Italy, arguably some people say, may have been responsible, Rome, at least for 1,000 languages, by simply good old-fashioned genocide, killing people who spoke them. Now the Romanesco, the Roman dialect, is gone. So the irony of it, what you do to others, you finally do to yourself. Sur cet aspect français des choses, effectivement, le problème de la France, c'est qu'elle défend à travers le monde la diversité culturelle et la diversité linguistique. Mais la diversité linguistique, au sens français du terme, c'est défendre le français face à l'anglais. C'est pas autre chose. Et je voudrais revenir aussi sur la question de la honte, parce que c'est fondamental dans ces histoires de langue, la honte. On accuse, les populations qui parlaient ces langues minoritaires, que ce soit en France ou ailleurs, généralement ce sont des populations plutôt pauvres, des campagnes rurales, qui n'ont pas accès à beaucoup de choses de la vie moderne, et qui sont donc systématiquement renvoyées à leur supposé arriéré, leur retard, leur manque de culture, leur manque d'intelligence. Et donc la honte, elle est multipliée par 10, parce que par une langue de plomb, chez nous, c'était la campagne, on vivait, il y avait le tas de fumier devant la maison, on avait les pieds dans la boue. Donc tout ça, c'était vraiment synonyme d'arriération, et on était rétrogradé. Et en même temps que la nouvelle langue qui était le français est arrivée dans les années 50, il y avait aussi le formica, il y avait le remembrement, où on a détruit tous les talus, on a forcé des changements pour accéder à la modernité en faisant beaucoup de bêtises, dont on se mord les doigts aujourd'hui sur ces bêtises, parce qu'on a détruit la nature, on a détruit des langues, on a tout détruit pour rentrer dans cette vie moderne qui n'a pas que des bons côtés. Je crois que Valentina, oui, vous souhaitiez intervenir. Oui, J'aimerais poser une question à Jean-Marie. Je voulais réagir sur cette question de honte et ce processus finalement que tu as décrit pour le breton. Je l'ai vu pour le livre de Maya Issa, donc quelques milliers de locuteurs maya avec cette même honte et stigmatisation véhiculée durant des siècles, cette fois sur les locuteurs, mais avec tous les locuteurs, ça parle d'une professeure qui a tué d'une maîtresse qui a tué leur langue, qui a fait exactement ce que tu décrivais, même s'il n'y avait pas de symbole, là c'est des châtiments corporels. Mais si on se place de l'autre côté maintenant, du côté de qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation comme ça, en tant que linguiste, sur le terrain, on arrive sur ces langues dont on peut déplorer, on déplore amèrement et on pleure même au sens propre sur la situation, et on est pris dans des essais de revitalisation, ce qui est extrêmement compliqué. Et dans le cas Itza, que j'ai accompagné un certain temps, je pense que la langue, elle ne va pas survivre, elle ne va pas revivre, parce que la situation socio-économique de ces gens-là fait qu'ils n'ont plus intérêt. Il y a trop de locuteurs. Pour vivre, ils ont besoin d'espagnol. Ils sont passés à un système plutôt monolingue. L'école a fait son rouleau compresseur et ils parlent maintenant espagnol. En revanche, les personnes âgées sont allées enseigner leur propre langue dans les écoles. Elles ont commencé à voir des personnes s'intéresser à leur langue. Tout d'un coup, il y a eu des panneaux dans le village, dans leur langue. Et ce que ça a fait principalement, c'est à transformer ce sentiment de honte en un sentiment d'orgueil, d'une certaine façon. Et c'est peut-être parfois la seule chose qu'on peut faire, mais elle est quand même importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à refaire naître un très grand nombre de langues qui sont aujourd'hui dans cet état de fragilité, mais au moins le sentiment affectif et moral envers ces langues s'inverse. Et tout d'un coup, pour les autres et pour les jeunes, c'est plus un sentiment de honte qui est attaché à cette langue-là, mais c'est au contraire un sentiment de fierté. Et du coup, même certains mots, par exemple, parce que ces langues, elles sont, même l'espagnol dans ce cas-là, il est traversé de mots mayas, puisqu'il y a plein d'emprunts, en fait. Et donc, les mots mayas qui sont dans cet espagnol, tout d'un coup, prennent un autre sens, une autre valeur, et sont raccrochés à des traditions, à un sentiment de transmission culturelle. Et je pense que c'est aussi quelque chose
dans le peu de choses qu'on peut faire, sans faire d'autres choses qui sont très différentes, on en parlera peut-être après, mais en tout cas, cette transformation de la relation qu'ont leurs locuteurs, même avec des langues qui sont disparues, elle est importante. Alors, Jean-Marie Humbert, après avoir écouté le témoignage de Rosane Miline, est-ce qu'il faut abolir l'article 2 de la Constitution française qui fait du français la langue de l'État français? Je reviens à ce que j'ai dit avant. Il n'y a aucune raison de parler une seule langue. Il n'y a aucune raison. Il faut absolument garder les langues. Moi, je continue à parler le picard avec mes parents. Ils sont morts récemment, mais je crois que je suis la dernière génération qui est encore capable de parler picard. Les gens derrière moi ne sont plus capables de parler picard. C'est... Encore une fois, le monolingue, c'est stupide. Et puis cet article 2 de la Constitution, il est très récent en fait, il date des années 80, c'est pas du tout de la Constitution de 1789, hein. C'est très récent, et cet article 2 a été rajouté, je crois qu'au moment de, c'était tout bon, je crois que c'était maintenant, pour empêcher l'anglais de prendre du terrain justement. Mais les dégâts collatéraux, ça a été pour les langues régionales. Et on dit aujourd'hui, dès qu'il s'agit par exemple de trouver une excuse pour ne pas ratifier la charte des langues européennes, on utilise toujours l'article 2 de la Constitution qui est bien pratique. Est-ce que je peux poser une question à Léna? Vas-y, allons-y. Pardon. Hier, pendant votre film, je suppose que dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui décrivent des langues en danger. Et je voulais savoir ce que vous avez pensé de la réaction des gens. Quand on travaille sur des langues en danger depuis 10, 20, 30 ans, on a une conscience forte, comme nous tous ici. On essaie d'encourager les gens qui parlent ces langues-là. On veut essayer d'influencer les gouvernements qui, qui devraient financer et qui ne les financent pas. On essaye aussi d'influencer les instances internationales. On essaie d'influencer nos collègues linguistes et anthropologues de travailler toutes ces langues-là. Et à chaque fois qu'on parle aux gens, aussi bien dans les milieux scientifiques que dans les milieux, entre guillemets, grand public, on essaie de faire passer un message à ces gens-là. Donc le message, c'est ils ont une culture importante, il ne faut pas perdre la culture, etc., etc., etc. Dans le film que vous avez montré hier, j'aimerais avoir votre réponse. Je ne sais pas comment vous sentez ça. Qu'est-ce que les gens qui étaient là hier ont vécu au film que vous avez montré? You asking me? Yeah. I wouldn't know for sure. How can you know? That's always a very tricky question, of course. For whom are you making work? I find the whole idea of doing something for, quotation mark, the good of the natives is really dangerous, because of course the history is genocide has been frequently done under the slogan of for the good of the natives, including the conquest of the American continent. So the New World, so to speak. And there are very modern iterations, many modern iterations of that, including responsibility to protect, etc. So I have myself coming from one dominant culture, Russian, into another dominant culture, English in America, in the United States. I'm all but fully aware of the position and complexity of this position for myself. So, but there are things that I can report back to you of what people say, that I can tell. I don't know what they can think, but I know what they can say, what they said. So from the United States and from Americans, I heard probably, I don't know, hundreds of times, what can we do? Which is actually a very good side of Americans. I have an idea. Yes. A very good side of Americans is this can-do spirit and, you know, kind of vanguard. I also had responses from some of the first language speakers. So, for example, 3 weeks ago, I was invited by the Ministry of Culture of Mexico
And the work was presented twice at Los Pinos Presidential Palace, which as of 10 months became public for the first time in history of Mexico by the government of Obrador. There was a woman from Oaxaca, and there was the man, an Ixtec poet. So they came to me before the presentation, introduced themselves, and then they came after. I have to say this, and it was actually confirmed by people that were with me, the entire demeanor, their presence changed. Afterwards, they felt more open, and there was something about them that changed. And what they said was, I don't feel so alone. So we speak about shame, the shame that's connected to not speaking your own language and giving up the culture. There's also, I think, and that's what also many of them say, a feeling of solitude, that many of them think they're the ones, the only ones to whom it's happening. But when you see a globe that's covered in these vanishing voices, you don't just know it intellectually, you can feel that this is a massive global issue. And so there's at least a feeling of isolation, maybe that edge is slightly off, at least for a moment. I don't have any illusions about what my work can do or change. But even if they have that moment of relief for a moment, that's worth it. Je voudrais bien revenir au métier de linguiste et peut-être poser une question à Mandana, si vous dirigez à SOAS ces équipes de linguistes. Est-ce qu'il faut parler la langue qu'on étudie pour étudier cette langue? Est-ce qu'il est possible d'étudier une langue sans la parler, sans la maîtriser? Well, if you ask me, I find it an incredibly colonial practice to work on a language with a people and not learn it. It always blows my mind that people are able to do this, right? I mean, it blows my mind. However, having said that, of course, I will say if you work in a community, you will learn the language because that's a matter of respect as a human. It's an ethical conduct as you, as a person, as a guest of a community to work with. So that's number one. From a scientific point of view, yeah, of course. That doesn't mean, and Valentina, and you will know, that's not the practice for many people. I have, what sometimes blows my mind is when I see, you know, a book coming out about a culture or about a community or a religious community where the person who has written the book does not speak the language in which the interviews were conducted, right? So there was, a local person who conducted the interviews and who asked people, then this is translated into, for example, Persian, and then from Persian into English, and then a big publisher for a lot of money sells this book, which is written by an English speaker who does not know any of the languages in which the interview was conducted. That is still classical practice at universities in many places, which gets worse and worse on that ground. So yes, you should be able to speak the language of the people you work with as a matter of respect and as a matter of your understanding of how this language works. I want to qualify this also. It depends, of course, what kind of question you're asking. So if you're, doing comparative work, it doesn't mean that you need to speak 6,000 languages to be able to compare the word for, tree in 6,000 languages, right? So it has to do with what kind of linguistics you do. But if you are describing working with a community with speakers on the ground, then you better have an understanding. So, mais si on travaille sur une langue qui a 12 locuteurs, on passe pas inaperçu. Yeah, but that's reality check. If you have a speaker, I mean, you have sometimes projects where there is only, two speakers and they're over 80. If you're lucky, you have an hour a day to work with them. And of course, you cannot learn that language in that way.
but if you have a sizable community that you're working with. So you need to qualify this, of course. Yeah. But it's always about the specific situation. But as a general principle, mm-hmm. you would be hoping that this is what you would do if you work within a culture that you have a deeper understanding, right? Pour répondre à ta question, bien sûr, si on va faire une grammaire d'une langue, il faut parler la langue, c'est évident. Ça dépend ce qu'on peut faire. Une grammaire, il faut parler la langue. Mais je parlais tout à l'heure du Gabon, où il y a 52 langues. En 20 ans, j'ai travaillé sur les 52 langues. Évidemment, je ne suis pas capable de dire, d'avoir une conversation avec ces 52 langues. Mais quand tu récupères les données pour, par exemple, faire une classification, tu n'as pas besoin de parler la langue. Si tu veux faire une grammaire, là, évidemment, il faut parler la langue. Juste un autre mot là sur les langues en développement et le niveau de langue. J'étais en train tout à l'heure de parler de ces 50 langues. Je regardais, quand j'ai fait ces enquêtes, il y avait 3 langues qui ont moins de 10 locuteurs. Il y en a une dizaine qui ont moins de 100 locuteurs et il y en a une vingtaine qui ont moins de 1000 locuteurs. Donc, où est la barre entre les langues qui sont en danger, pas en danger, etc. C'est compliqué, très compliqué. Valentina, vous souhaitez ajouter? Non, c'était un point sur cette question-là, oui. Sur la, parce que je me suis retrouvée dans ces situations, on a très peu de locuteurs. C'est surtout, non seulement il y a peu de locuteurs, mais ce qui est très, très important de dire, c'est qu'il y a, surtout, ce sont des situations où les locuteurs ne parlent quasiment plus leur langue. Donc c'est deux choses. Donc finalement, la langue qui parle, elle est restreinte à quelques contextes. Mais idéalement, la famille, le couple, mais souvent l'un des deux est mort, et même dans le couple, on ne parle plus. Donc, c'est des langues qui sont très atrophiées, qui sont très simplifiées. Ces langues qu'on observe quand on est dans des situations où il y a très peu d'auditeurs. Et parce que je parlais un petit peu à part avec Rosane, et je disais que moi, finalement, je parle couramment cette langue Mayetsa, qui n'est quasiment plus parlée. Mais cette langue Mayetsa ne se parle plus couramment. Donc ce qu'on appelle parler couramment une langue comme ça, c'est parler une langue qui est quand même, elle est, c'est presque que le squelette de la langue parfois. On n'a plus les aspects discursifs, il y a tout un tas d'éléments qu'on a dans les langues, qui font partie des langues, qui sont liées au contexte d'énonciation qu'on perd. Et donc, voilà, je me retrouve d'ailleurs à être la plus jeune locutrice de cette langue, ce qui est, je crois, le sort de beaucoup de linguistes, qui est une responsabilité énorme et triste à laquelle on porte. Et, mais donc, c'est vrai qu'il y a parler des langues, ça veut dire beaucoup de choses. Enfin, c'est pas apprendre un dictionnaire et une grammaire parler une langue. C'est apprendre tous les différents genres, les contextes dans lesquels on peut utiliser telle ou telle salutation, comment on emploie certaines règles grammaticales, des certaines formes des verbes dans un contexte ou dans un autre, quand est-ce qu'on peut dire une chose et quand est-ce qu'on ne peut pas la dire. Donc c'est tout un ensemble qui, en fait, quand on a des langues comme ça si fragilisées, c'est l'ensemble qui s'effrite, en fait. Alors, justement, quand on a préparé cette rencontre avec Jean-Marie Humbert, il me dit, écoutez, je vous envoie un texte que j'ai publié dans la recherche, qui est un interview. Donc, c'est sur cette question linguistique au Gabon et plus largement en Afrique. Et je reçois donc le PDF de Jean-Marie Humbert. Je m'attends à ce qu'il y soit question de linguistique. Et le titre que je découvre, c'est « La diversité culturelle de l'Afrique est menacée ». Et pourquoi pas la diversité linguistique de l'Afrique? Est-ce que c'est la même chose de dire la diversité culturelle de l'Afrique et la diversité linguistique de l'Afrique? C'est très fortement lié. C'est très fortement lié. S'il n'y a plus de langue, il y a une partie de la culture qui est partie. Je parlais tout à l'heure des odeurs. Il y a des tas de domaines qui étaient présents dans ces cultures. Les langues ont des termes pour ces, par exemple sur le problème de la chasse. Il y a des tas de termes qui vont disparaître lorsque la langue aura disparu. Pour répondre à ta question, oui, c'est très très fortement lié. Si on travaille sur une population de chasseurs-cueilleurs, est-ce que l'indice d'une maîtrise de la langue, c'est de pouvoir être soi-même un chasseur-cueilleur? J'ai beaucoup voyagé avec les pygmées, et je ne me considère pas comme pygmée, c'est-à-dire que on peut apprendre ce qu'il faut, on peut en écouter parler, mais il y a un monde entre être capable de comprendre ce qu'ils disent et être capable de faire. Oui, c'est ça, voilà, oui, c'est ça, c'est exactement. Non, parce que j'imagine que quand... Parce qu'on parle d'objets, c'est facile. Quand on dit ça en divers, alors on va l'apprendre en plusieurs langues, etc., c'est facile, mais...
J'imagine d'autres situations où on va parler du geste de prendre le verre, qui va avoir, nous on va dire prendre le verre, mais il y a d'autres. Pour un linguiste, j'imagine que c'est difficile de se contenter d'apprendre le mot sans entrer dans l'interaction et de faire le geste. Et donc d'incorporer, mais alors je parle d'incorporer au sens physique, d'incorporer les gestes qui vont avec le mot que je prononce à ce moment-là, et donc finalement de faire entrer cette langue dans le corps. Regarde ce que Rosane vient de dire. Je ne sais pas si je suis clair. Regarde ce que Rosane vient de dire. Recueillir le miel chez les pygmées. Formidable. J'ai observé des dizaines de fois comment le faire. C'est très compliqué à faire. Je sais comment ils font. Je sais où ils vont chercher les branches. J'ai tout compris. Mais je suis incapable de le faire. Non, ce que je veux dire, c'est très difficile de se mettre à la place des gens qui ont cette culture-là. La langue, c'est vraiment, vraiment important, mais il y a des choses qui sont associées et qui font partie, en gros, de ton corps. C'est ça, voilà, c'est ça la question, évidemment. Évidemment. Je pense que ça, dans le sens va qu'on ne peut pas faire un calque direct entre langue et culture. Il y a un ensemble complexe de relations, souvent indirectes, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont ineffables, d'ailleurs, comme ces savoirs pratiques. Sont très difficiles à expliquer, d'ailleurs souvent pour les gens, hein, on pense, les ethnographes, explique-moi comment tu vas chercher du miel, mais tant qu'ils sont pas avec eux, ils ne savent pas. Il n'y a pas forcément de réflexivité, oui, oui. En revanche, c'est vrai que quand on parle, on véhicule aussi beaucoup de concepts qui sont un peu, qu'on véhicule de façon inconsciente, l'exemple de poser, je ne prendrai pas prendre le verbe, mais poser le verbe, par exemple, les langues mayas et beaucoup de langues amérindiennes sont connues pour avoir une multiplicité de verbes de type posé qui varie selon la forme de l'objet et sa position. Enfin, si je le pose comme ça, à l'envers, sur le côté, on va employer des verbes différents. Et donc, ça montre qu'il y a une sorte de sensibilité, forcément, qui est induite par l'usage de cette langue aux différentes positions, à la forme que nous, on pourrait avoir. Même si, mais elle n'est pas mobilisée de façon si facile. Et du coup, ça aussi, ça fait partie de la culture, mais c'est quelque chose qui est moins évident. Enfin, donc, c'est souvent des relations comme ça, qui, c'est pas simplement un concept, une langue. Et toutes les langues peuvent dire tout, d'une certaine façon, simplement, c'est plus ou moins facile. C'est plus ou moins difficile. Okay. Oui. Pardon, Léna, oui. And it's fascinating. You would think that if you can't call it, you can't think it. But also, if you can't call it, you can't think it, sometimes you can't do it. Because one of the things that I learned and was fascinated by are the very high level skills among some of the Australian tribes of finding directions. Now, I'm very famous for being lost. I mean, I get lost all the time, but it's well known that the in certain languages, like I believe in Walpiri, where anything has a directionality. So I'm not just passing my cup to Mandana in that language, but I'm passing it, you know, from southeast to northwest. And people who speak that language, native language, actually have extraordinary ability of orientation. And the same people in the tribe who no longer speak that language actually been tested, and they don't have that same ability. That's neurologically, in terms of brain functioning, fascinating. I wonder what Mandana would think about that. So this is my home territory because my advisor is the one who ran that research group that did the systematic research on spatial cognition and linguistic correlation and how this changes. I think this is what I was referring to when I was saying, you know, the different ways of, you know, the language we use will change the perception, our perceptual system, the way we memorize. Doesn't mean we can't do it otherwise. But it means that we have a habit of doing it, which is mainly also means that we have a habit of responding in different ways to different challenges, which is a good thing because it gives us diversity in responding. I would like to bring a critical point into the discussion, and one is about the
the language and culture connection that we often make. We have many examples, and I'm going to give you, because I'm Iranian in origin, and if you think about our history, when the Arabs conquered, a lot of Iranian Zoroastrians, Zardoshis, went to India, right? They became the so-known Parsis, and the biggest pop star of the Parsis is now Freddie Mercury because of the movie. But the point I want to make here, the Zoroastrian community moved to India, and they maintained their religion very strongly. They maintained their marriage relationship, their food preferences. So a lot of cultural components of that community is still in place till today. It's disappearing now in different ways, but Persian is long gone. Hmm. Persian is long gone. They all speak Gujarat. They don't speak Persian. They recite Avestan, 3,000-year-old text. Yeah. But I would really not say that they have given up or lost their culture. They haven't. For sure. The language is gone. So to me, the link between those two is actually orthogonal, right? It doesn't mean one go, the other one doesn't go. And also here in the discussion, I really would like to call in for a more dynamic view on things, namely that the way people live changes and they adapt to it. Mm. And I do this carefully because I'm in the UK, I run a granting agency, I will not be the one who tells a community, please stick to that language that has no utility for your children and will make sure that you have no social and economic mobility. Mm. Because not all of the context that we are in is a context where language is beaten out of people. A lot of the context, and that's this is the majority, and this is what linguists call upon, is the systemic pressure of the fact that social and economic mobility is related to language shift, right? So yes, there are these horrible stories that Roseanne beautifully exemplified. You were not here in the morning, and I think we all at some point said, yeah, well, you don't have to go far. You can look at your own history in this country, by the way. Maybe you want to look at the history here. We don't have to go to the Amazon. It's bad there. But here, so thank you for really bringing this home, the point we made, and also bringing it into the colonial history of many places in Africa. But I'm also happy to bring it into the history in many places in Africa where the parents will make sure that their children will go to university, and that's going to be French or English. Right, and there is no bone around their neck. There is no, right? There is a systemic pressure, and that's the one that expediences that brings us into this pressure that it's happening incredibly fast, and that people are giving it up for no reason. Attends, so one is the language and culture link I want to raise, and then one is the other one, which is the systemic pressure of utility, where people are facing hunger, no access to health services, and so on. So there's this dimension too, and I'm calling for a more dynamic kind of view on life is changing for a good reason. Mm-hmm. Merci. Roseanne, vous souhaitiez intervenir? Oui, parce que évidemment que cet argument économique, il vaut pour partout dans le monde, y compris ici sur le territoire français où dans les années 40, 50, etc., les gens ont aussi voulu mieux gagner leur vie et monter sur l'échelle sociale et que ça passait par le français. Ils n'ont pas tous été battus. Il y avait aussi évidemment cet argument-là. Et on le trouve bien évidemment en Afrique. Mais ce que je veux dire, et que partout où je vais en conférence, où je donne beaucoup de conférences, je suis tellement d'accord avec Jean-Marie. C'est pas une langue contre une autre, c'est une langue plus une langue plus une langue. Les langues ne sont pas en opposition. Le cerveau humain est tout à fait prêt à recevoir beaucoup de langues. Moi, tous les Africains que je connais, ils en parlent 6, 7, 8, enfin, ils parlent merveilleusement bien le français, l'anglais, plus 3 ou 4 langues locales, enfin, les langues locales, les langues familiales, la langue de la région, la langue au Sénégal, par exemple, vous pouvez parler Serein. Vous parlez de toute façon Wolof parce que tout le monde parle Wolof au Sénégal, et puis vous parlez français parce que vous aurez appris le français à l'école, et puis vous parlerez anglais parce que vous êtes amené à avoir des gens du monde entier. Et je trouve ça merveilleux en Afrique
et vraiment pour moi ils ont la solution. Enfin, ils ne pensent pas en opposition, ils ne pensent pas les langues en opposition. Et j'étais encore au Sénégal la semaine dernière où il y a un professeur de l'équivalent d'école normale qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez vous les Français, pourquoi ça vous pose problème les langues, pourquoi c'est un problème, c'est où il est votre ben oui, nous on parle telle langue en famille, on parle telle langue dans le voisinage, on parle telle langue dans la région, on parle le Wolof, on parle le français, il n'y a pas de problème et ce n'est pas une opposition. Lorsque j'évoquais tout à l'heure la question du geste, le fait de prendre le verre ou de le poser, je faisais référence à la corporéité de la langue, et en considérant que la langue, ce n'est pas juste effectivement de la grammaire, Et ça m'amène en fait à ce projet que vous avez, Mandana, que vous avez développé et qui, alors là, qui m'intéresse de manière très spécifique, parce que tout ce qui a été dit sur les langues, on peut le dire de la musique, du côté de l'ethnomusicologie, on a exactement les mêmes questions. Est-ce qu'il faut jouer d'un instrument quand on va étudier cet instrument? On a exactement les mêmes questions. Yeah. Donc, mais là, la question, voilà, on a de plus en plus d'étudiants en musique aussi qui utilisent la caméra pour aller filmer la musique, pour le dire comme ça. Et vous avez développé des programmes, et bon, on en a parlé, vous en avez parlé beaucoup ce matin, mais j'aimerais quand même revenir sur ça, sur cet aspect, de filmer la langue. Moi, je l'interprète comme ça, finalement, c'est-à-dire filmer le corps en interaction, le corps en énonciation, qui n'est pas du tout la même chose que le corps qui n'énonce pas. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes pour comprendre les enjeux liés à cette forme de documentation, de documenter les langues par la caméra ou par le film? Oh yeah, I have a very strong opinion on that one. you know, I mean, we have benefited massively. I mean, it's a blessing and the curse of the digital, right? In the same way that the digital has given us the ability to have recordings and to do a lot of recordings in a short amount of time, it's also changing the way we're relating to the world. It's bringing the internet, and young people want to have access to the internet and the digital. That's all in English or Chinese. We have not talked about China yet. We're mentioning English all the time. Let's talk about China and their work. Another dimension. So to me, I mean, because as I said, you know, one of the things is that our discipline and our understanding of language is massively has a written bias, because it's all we could study. And the way a language is conceptualized is often as something that you can hear and write down. Now, language is fundamentally multimodal, and language is fundamentally negotiated, right? So we have a very big problem when we go have this like idea of, you know, a speaker sends a message to someone and processes it and sends it back. No, the way I speak is dependent on how you react. If I look at you and you're gonna, you know, bring your brows down and looking like this, I will change the way I talk because I want your agreement in some other way. So this is something that we engage in as a form of joint action. Using language is a form of joint action, and we're resolving coordination problems at all times, and we're doing this through gaze, we're doing this through words, we're doing this through body posture, we're doing this through different ways, and that influences how language evolves and changes. So in our discipline, we have this beautiful apartheid that Saussure, as well as our friend Chomsky, brought upon us, namely the difference between langue and parole, right? The difference between language as a system and language in its actual usage form. It is now that we are able to look at the usage form to then form hypothesis how the language is actually changing and the system is there. We have different ways of interacting. The area where Valentina works, for example, if you look at Mexico, in a lot of places they have gaze avoidance. They sit far away from each other, they don't look at each other. Right? So what is their feedback system if they're not doing this, what we all do all the time? And how does that influence how they do it? Well, we know from Tseltal, for example, that what they do is the speaker says something, the interlocutor repeats the last part of it, the speaker repeats it, the interlocutor repeats it, and then they switch to the next topic,
Well, in Yelidne, down near to Papua New Guinea, where Steve Levinson works, it's just done with a done, next one. So it's a much different kind of pace. And that's, you know, to understand that, you need to film it. And there is also the other part. If we're talking about that, we're trying to not only do linguistics for a very narrow field and three people in the world, namely linguists, that publish in journals and in languages that is not accessible to the source community, then you might want to broaden what you do by filming this appropriately so that the descendants of the people will be able to see their grandmothers with whom you worked. So we get people that try to access the materials in our archive that say, I'm the granddaughter of this person that you, that your linguist worked with, and I wanna hear the voice of my grandmother. And now there's a big difference if you can hear the voice of the grandmother or if you can see her. Of course. So our responsibility as linguists, while I have a very, you know, a linguist is a linguist, it's not a revitalizer. But there is things that we can do in the way we conduct our research that is more sustainable and more impactful above and beyond linguistics. And I think a video camera is, thank God, a tool that we can now use at an easy rate because we have access to it. Alors enregistrer les gestes et les postures, c'est une chose. Les diffuser, ça n'est une autre. Rosane, je me tourne vers vous. Vous êtes lancé dans un projet désespéré de, qui s'appelle Soro-Soro. Et peut-être que c'est le moment d'en dire un mot, parce que finalement l'image est aussi quelque chose d'important. Oui, oui, mais on fait grosso modo un peu le même travail que ce que fait le LIMDP de SOAS. No, you're not. No, enfin, sur le plan de... It's very different, and I think it's important to make that difference, because there's a huge difference between doing language documentation work or doing natural geographics, National Geographic's documentaries. You're telling stories, we don't. It's a very different, it's a very different, it's a two... Attends, on va quand même laisser traduire et vous reprenez, oui. Je reprends parce qu'il y a un malentendu. Mandana pense que les deux projets sont extrêmement différents et que vous, vous travaillez sur des documentaires géographiques, donc... You edit films for public viewing, right? Je reprends. Le programme Soro-Soro a été créé, donc ça fait une dizaine d'années. L'objet du programme était de faire de la documentation linguistique. Nous, on arrivait effectivement pas de la linguistique, mais on était plutôt des gens qui venaient du milieu professionnel de l'audiovisuel. Et on a travaillé, on a monté un conseil scientifique avec des linguistes et on a travaillé avec des linguistes et quelques anthropologues. L'idée étant d'accompagner des linguistes sur le terrain pour filmer ce que eux avaient préparé. On l'a fait par exemple avec Jean-Marie, mais avec beaucoup d'autres. Et donc on a filmé comme ça des dizaines d'heures de documentation qui sont numérisées, archivées à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel, et qui sont un travail brut qui est préservé, conservé, voilà. Évidemment, après, il y a tout un travail important de traduction pour qu'on puisse comprendre tous ces rushs. Et une autre partie du programme, c'est la vitrine du programme. Réellement, c'est une toute petite partie de ce qu'on filme est montée pour être montrée sur le site, donc qui s'appelle Soro-Soro, parce qu'un des objectifs du programme, c'est aussi de faire de la sensibilisation du grand public. Donc ça, c'est notre partie grand public. Mais on a aussi toute une partie documentation, et je ne sais pas combien de centaines d'heures, alors c'est beaucoup moins que ce que vous avez fait à SOAS, évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, mais on a quand même je ne sais combien de centaines d'heures de rush qui sont archivées et qui ne sont pas du tout présents sur le site. Sur le site, c'est peut-être, je ne sais pas, 1% de ce qu'on a filmé. Bon, j'ai noté 300 heures de documentation filmée. Voilà, 300 heures. Oui. Et qui sont accessibles. Alors, qui sont accessibles à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel. On a passé un accord avec eux. Alors voilà, on peut peut-être expliquer, parce qu'on a parlé beaucoup ce matin des relations entre l'institution et la diffusion. Oui. Si c'est à l'INA, c'est bloqué.
Non, non, on a, dans l'accord qu'on a signé avec eux. Non, dans l'accord qu'on a signé avec eux précisément, c'est un accord qui fait que c'est accessible à tout le monde sans payer. C'est, et y compris les linguistes, évidemment, mais qui que ce soit. Alors après, le problème, c'est que Lina ne les met pas en avant et ne fait pas savoir qu'il y a ça disponible. Mais l'intérêt d'avoir Lina, c'est qu'ils ont des processus de ce, parce que les supports numériques sont en fait extrêmement fragiles, beaucoup plus fragiles que les supports physiques. Et Lina a tout un processus de recopie systématique toutes les quelques années qui permet d'assurer la préservation sur le long terme. Mais, oui, ce que je voulais dire quand même pour terminer, c'est que je suis bien entendu d'accord avec tout ce que disait Mandana sur l'importance de filmer tous ces gestes, tout ce qui va avec. Et une des raisons qui m'a moi poussée, parmi les multiples raisons, une des raisons qui m'a poussée à mettre en place donc ce programme, de filmer, c'est que je me suis dit tellement souvent qu'on était tellement heureux en Bretagne d'avoir eu la chance qu'il y ait des gens qui aient enregistré et filmé tout un pan de culture qui n'existe plus aujourd'hui. Et même si à l'époque où ça a été fait, il y a certainement eu des gens qui ont râlé ou qui ont dit à quoi ça sert, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est heureux d'avoir ça? Oui, Valentina. Je voulais rebondir sur la question de l'archivage parce que j'avais une remarque un peu plus générale qui me travaille toujours au moment de... Je pense que je ne fais pas de la linguistique de documentation, mais forcément, comme on travaille sur les interactions, on filme maintenant toujours, donc on a ce matériel, il faut le mettre à disposition, etc. Donc on est pris dans toutes les problématiques dont on a... Excusez-moi, Valentina. On filme, mettons-nous en situation. Oui. Ça veut dire que vous avez un assistant ou une assistante avec vous, en guillemets. Vous avez un casque avec la caméra sur le front. Vous posez, ça passe. Avec la caméra, la pose de l'archétype quand c'est possible. Heureusement, parce que la difficulté de filmer, c'est qu'on veut quand même, en tout cas, ma façon de faire du terrain, c'était de vivre des années dans la communauté, donc d'interagir naturellement, en tout cas avec ma relation, qui je suis avec les personnes. Donc c'est des contextes qui sont des contextes de vie et on balade effectivement avec la caméra, l'enregistreur ou bien parfois une situation un peu plus formelle. Donc c'est de l'artisanat avec certains protocoles. Mais ce que je voulais dire, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que cette idée de conservation, quand même, enfin là c'est plutôt mon aspect anthropologue qui parle, elle est très liée à notre vision du passé occidental, à notre conception du devenir et du passé, et du fait qu'il faut tout conserver, que la mémoire se fait en accumulant de la mémoire du passé. Et que dans d'autres sociétés, bon, je suis plus proche de celles amérindiennes, et c'est le cas en particulier, les conceptions de la temporalité, du devenir sont différentes. Il y a des choses qu'il faut absolument oublier, d'ailleurs, les morts s'oublient. Il y a tout un travail, comme disait Anne-Christine Taylor, la difficulté d'oublier, se rappeler d'oublier. Et donc, la relation à la conservation est très différente. Et maintenant, finalement, elle a envahi tout le monde parce que, comme le dit Rosen, finalement, tous les locuteurs ont été colonisés par notre façon de concevoir le rapport au passé et sont souvent heureux de voir, finalement, qu'il y a des documentations sur nos grands dangers. Mais c'est quelque chose qui n'est pas universel. Et les pratiques, la numérisation est fantastique parce qu'elle nous donne les moyens de tout conserver, mais ça assouvit notre côté omnivore sur le passé. On veut tout conserver, tout. Et parfois on se pose la question et on se dit est-ce que je veux conserver? Et ça transforme, je termine là-dessus, juste quelques temps, je reviens sur le projet Sawa que tu as énoncé sur. En Guyane, donc ce sont des Amérindiens Wayana de Guyane française. Donc on se trouve en Guyane française, on a des langues amérindiennes parlées, en particulier le Wayana qui est parlé par 1500 locuteurs, 2000 sur trois régions, mais 1700, trois pays, 1500 en France, et qui sont dans une situation d'anomie sociale très forte. Je ne veux pas revenir là-dessus. Énorme taux de suicide, les jeunes doivent aller quitter leur village pour aller faire des études, toute la transmission est coupée.
coupée. Et donc, certaines personnes de ce village viennent et disent, nous, on sait qu'il y a plein d'ethnologues, ils sont venus nous parler, mais on ne sait pas où sont tous ces matériaux. Et en particulier, ils ont enregistré un chant rituel, des chants rituels très importants pour nous, parce que ce sont des chants qui recueillent finalement toute notre histoire, qui était liée à notre rituel le plus important, qui n'est plus fait. Entre autres, parce qu'on n'a plus de savoir, donc on veut avoir accès à ce matériel. Et donc maintenant, ce qu'on a fait avec eux, ça a été de créer un portail internet où ils peuvent avoir accès à tous ces matériaux qui sont répartis dans différents musées. C'est parce qu'une porte d'entrée unique où eux décident quel type d'accès ils vont avoir, qui va avoir accès, sous quelle forme de catégorisation, selon quelle ergonomie, avec quel design, enfin le graphisme, etc. Et finalement, moi j'ai été assez interloquée par cette volonté de ces hommes et femmes Wayana d'une quarantaine d'années. Comment est-ce qu'ils peuvent penser simplement qu'ils vont réapprendre ces chants rituels qui sont extrêmement longs en les écoutant, alors que ça fait partie de ces savoirs pratiques qui étaient, ces chants rituels étaient énoncés dans des rituels très complexes des nuits durant, et les apprentis les apprenaient en faisant. Et eux pensent maintenant qu'en téléchargeant sur le téléphone et en l'écoutant tous les jours, ils vont savoir. Donc c'est assez... ce sont des questions que je me pose. Et pour eux, la mémoire des langues, cette mémoire des langues passées, leur archivage était dans ces chants rituels, puisque ces chants rituels, en fait, ils ont des strates de langues aujourd'hui disparues, beaucoup de langues archaïques qui sont dans ce chant-là et qui étaient transmises. Donc on se trouve dans des situations un peu complexes où on se dit on leur met à disposition des moyens de retrouver leur culture, mais en fait des moyens qui sont extrêmement exogènes, qui se réapproprient très facilement. Alors évidemment tout est très dynamique, donc les gens se réapproprient, mais c'est quand même des situations assez complexes et il n'y a pas une vision de la conservation. Léna, je sens que vous avez envie d'intervenir. Oui. Yeah. to the point that you are talking about people, young people wanting to learn and learn it from any documentation that you have made available for them, which is fantastic and extraordinary. At the presentation of Last Whispers in Montclair, New Jersey, a few weeks ago, I met a woman who runs a non-profit organization that helps the Lenape people to learn their language and rituals. It is a resource that provides it. So she said that on average, the Native American Indian, particularly men, longevity is at 56 years old. Mm. The suicide rate is staggering. Mm. Staggering suicide rate. And other ailments like alcoholism, drugs, awful. Mm. She said that she couldn't claim it for sure, but she said what she saw among people, young people who come to her organization to learn the language and the culture, which just they provide the opportunity. They just give an opening for that. She said the success rate is remarkable. And so here I have a non-scientific speculation. And that is that knowing your roots, being inherited mind, an inherited mind, is somehow critical to us, just as being worldly, because that's the reality, the dynamic that Mandana speaks about of the world is, of the current world, and the ability to be successful, to be worldly. And that's one of the extraordinary aspects of the Gaelic language, mm-hmm. and the revitalization and bringing back Gaelic, where people become both inherited and worldly at the same time. And so when I think of this in terms of, you know, what it means about us, mm. I think that we have in us two vectors, two directions. And one is sustainability, tending to your own garden,
knowing where you come from, knowing your roots. And another one, an expansionist, something that wants exploration. Mm-hmm. They both have fantastic sides to them. You know, in politically it is expressed in cultural preservation and exploration and discovery. For cultural preservation, for the inward vector, discovery for the outward vector. They will have horrible sides to them as well. Nationalism and fascism, creating that fascia overdue. And the exploration of imperialism and exploitation. And so what does it say about us? That we contain all these multitudes, and how do we solve this? And I think the salvation, the solution somehow, or beginning to think about this perhaps, is what is our task, the human task? And knowing that these are not mutually exclusive vectors, that we both have it in us. Mm-hmm. We have this both. Mm-hmm. Léna, est-ce que je peux me permettre une dernière question? Est-ce que l'approche multimodale du langage développée par Mandana est capable de vous influencer au point que dans votre prochaine création, on ait des postures de locuteurs qui soient filmées? Can I just say, this was not developed by me. I wish, but it wasn't me. There's a lot of people in the 60s, Gumpert, and a lot of people way before. I'm reiterating and pointing at it now that video cameras are available. So thank you for the credit, but I can't really take that with good conscience. I'd love to, but I can't. So please. I don't have that plan yet. You remind me of one of our early conversations. I said this to Lena, you know, language is negotiated, it's speakers, it's people, it's multimodal, and so on. And she said, we were on Skype talking about this, and I thought, oh, wouldn't it be nice? But then at the same time, I thought, there's different ways of expressing this. And there's different ways. And in her quest since 20 years, since she's been on the topic, trying to find a way of doing it, I think she went through different iterations that I learned today about. When we met, that was the time when she wanted to have trees talking. Mm-hmm. Yeah. That then changed because we couldn't get trees. Mm-hmm. We weren't allowed to talk. Yeah. So, yeah. And well, there were at least five or six different iterations. We started, when I was introduced to her, she was talking about these trees that are going to have the languages. Like, I couldn't get permissions. Yes. Okay. I have to say, about a year ago, I went to the Hirshhorn Museum, which is a wonderful museum in Washington, D.C., and I went through the whole museum, and downstairs there was a show on pop art. So you see Damien Hirst and Jeff Koons, etc., and which is essentially praying at the gods of consumerism. And upstairs, there was a show on transhumanism. And so you saw, for example, one of the installations where a video of a human being who sort of takes himself apart, you know, the head, the arms, the legs, and then checks himself into the conveyor of a airport security, things like this. And I have to say, I came out absolutely desperate out of there. Because here we have pop art, and there we had transhumanism. And I just wanted to yell at everybody, what about humanism? So I think sort of the task is, you know, humanism. And once we set the task, I have extraordinary optimism about our abilities in academia, in art, in music,
once we set our mind on it, we can do anything. Thank you, Lena. Alors Jean-Marie Humbert, terminons sur une note d'espoir. Le mot de la fin, s'il y a des langues qui sont menacées, s'il y a des langues qui disparaissent, si on considère la forme organique finalement des langues, ça veut dire que rien ne s'oppose à ce que des langues naissent et que de nouvelles langues apparaissent. Exactement. Tout à l'heure, vous l'avez mentionné, l'anglais est en train d'envahir le monde, très bien, mais l'anglais un peu partout dans le monde varie énormément entre, je ne sais pas, le parler en Australie, le parler en Angleterre, le parler dans le monde indien, etc., etc. Mais même à l'intérieur des États-Unis, le parler de certains quartiers de Chicago est difficilement compréhensible par les gens du Texas. Donc oui, il y a des langues qui naissent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de langues qui disparaissent. Mais il ne faut pas oublier, quand je regardais il n'y a pas très longtemps, il y avait les projections pour 2050, 10% des langues du monde vont être le chinois, le mandarin. Okay? Et il y a 5% des langues du monde qui vont être... évidemment l'anglais, évidemment l'arabe et le hindi. Il y a des langues qui sont en croissance, d'autres qui sont en décroissance. Mais encore une fois, si vous parlez ces 5 langues-là, vous pouvez être, je pense que ça fait, je ne sais pas quoi, 80% des langues du monde qui sont uniquement dans ces 5 langues-là. Donc, oui, il y a avoir une diminution, mais il y a des langues qui vont, comme on l'a dit, il y a des langues qui vont être créées, qui pour le moment s'appellent anglais. On aura probablement la même chose aussi avec l'espagnol. Donc, encore une fois, oui, il y a une diversification, ça ne sera pas les mêmes langues que l'on avait jusqu'à maintenant. Donc, et encore une fois, je répète pour la 5e fois qu'il faut être plurilingue. C'est ridicule d'être monolingue. Merci, Jean-Marie Humbert. Je vous remercie tous d'avoir tenu toute cette journée. Je suis très heureux de ce débat. Et merci à vous tous aussi d'avoir tenu tout l'après-midi avec nous et puis pour certains toute la journée aussi. Merci Joséphine d'avoir permis que ce moment ait lieu. Voilà, je crois que c'était, enfin pour moi en tout cas, vraiment intéressant que le travail artistique de Lena puisse servir de catalyseur à des discussions qui parfois ont eu l'air de s'éloigner beaucoup de son projet, alors que je crois qu'on est resté finalement toute la journée au cœur de ce projet. Merci à vous tous. Merci à vous. Thank you. Can we thank merci à Maya et à James. Thank you. Thank you. Bravo. Amazing. Incredible.